Voilà, j'en je, profite pour adresser un message de bienvenue aux auditeurs. Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette émission qui était très attendue par les abonnés. Donc j'ai le plaisir ce soir de recevoir euh, Louis Fouché. Bonsoir Louis, merci d'être là. Bonsoir Nicolas Bouvier, merci beaucoup de me recevoir et puis bah merci à tous les gens qui nous regardent aussi de, de prendre de leur temps pour, bah pour discuter avec nous et s'il y a des questions dans le chat qui peuvent aussi aiguiller l'interview, moi je me j'essaierai d'y répondre quand je peux pas ou quand j'ai pas envie de répondre, je vous dirai mais mais euh, voilà peut-être c'est aussi l'intérêt de ces, de ces chats participatifs, c'est de d'ouvrir de, le dialogue aussi avec les gens qui oui tout à fait et justement, si je souhaitais vous inviter Louis, alors ça fait déjà un long moment, puisque j'ai démarré les émissions il y a un peu plus de six mois. Et parmi les, les invités qui revenaient souvent dans les suggestions, c'était votre nom qui revenait. Alors, les abonnés m'ont dit euh, qu'ils vous suivaient depuis longtemps. Euh, que ce qu'ils appréciaient chez vous, c'était votre côté pédagogique, euh, rassuriste aussi, alors qui a été euh, très euh, critiqué par le système. Moi, à titre personnel, euh, Je voudrais déjà remercier Mehdi Belash Kassem qui euh, m'a mis en contact avec vous indirectement, hein, puisque euh, grâce à lui, euh, bah, cette émission a pu avoir lieu ce soir. J'en profite aussi pour rendre hommage au professeur Montagnier euh, ainsi qu'à Olivier Soulier qui nous a quittés il y a encore quelques semaines. Et quand j'ai annoncé que l'émission allait avoir lieu, j'ai eu aussi des, euh, des compliments de la page Vérité diffusée sur Twitter ou encore du syndicat Liberté Santé que j'ai eu le plaisir de recevoir. En émission. Donc voilà, beaucoup déloges à votre égard. Alors même si vous êtes connu maintenant du grand public, euh, de beaucoup de Français comme le professeur Rao ou d'autres, euh, j'aimerais quand même que, à titre indicatif pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, que vous puissiez vous présenter euh, comme vous savez le faire. Ouais, alors c'est toujours difficile de se présenter parce qu'il y, y a plusieurs facettes dans, dans, chez tout le monde, hein, chez tous les humains. C'est aussi quelque chose moi dont j'essaie de me souvenir quand je croise quelqu'un, c'est que bah, la, le premier masque qu'il nous donne finalement, euh, bah, c'est qu'un masque, hein, un masque social, un masque professionnel, un masque euh, familial. Euh, donc bah, voilà, moi je m'appelle Louis Fouché, je suis un humain comme un autre euh, et simplement j'ai fait une carrière de médecin anesthésiste réanimateur, avec d'un côté l'anesthésie, d'autre côté la réanimation. Moi j'ai toujours aimé les deux parce que je pense qu'elles se parlent et elles s'interconnectent, euh, mais je faisais surtout de la, de la réanimation. Avec une spécialité qui est la prise en charge des grands brûlés, euh, qui sont des gens qui ont, voilà, des, des plaies cutanées ou ça, ça peut être à la fois les grands brûlés, mais aussi les grosses grosses infections euh, qui sont très délabrantes et qui vont nécessiter de travailler main dans la main avec les chirurgiens. Alors c'est pas toujours facile de travailler avec les chirurgiens, mais euh, mais justement moi c'est le défi que j'aime bien, c'est de travailler avec les autres parce que je suis toujours euh, émerveillé en fait de, le, de ce que les autres arrivent à faire. Euh, voilà. Et donc et l'autre versant de la réanimation que je faisais. Euh, c'est les malades d'hématologie, les gens qui ont des leucémies, des lymphomes, euh, finalement des maladies, des cancers du sang, qui sont des maladies très très sévères, qui nécessitent actuellement dans le dans les, les thérapeutiques qu'on fait actuellement des chimiothérapies très 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 lourdes, et qui font qu'ils vont être très immunodéprimés, et donc ils vont faire beaucoup d'infections euh, parce qu'ils n'ont plus les défenses immunitaires. Et donc par euh, par la force des choses, moi je suis un petit peu, je suis, je suis très intéressé par tout ce qui est infectiologie. Donc les virus, les champignons, les bactéries, choses comme ça. Et c'est pour ça que d'emblée j'ai été intéressé par la question du virus parce que mes patients euh, étaient euh, finalement à risque de, de faire des formes graves. Et puis aussi parce que euh, mon épouse en fait euh, travaille à l'IHU euh, de Marseille, euh, qui était dirigé par le professeur Raoult et euh, est spécialisé en, en, en infectiologie. Donc euh, bah, ça fait des discussions euh, entre les heures de boulot qui ont <laughs> sont quand même à voir avec ce qu'on fait. Et donc on, on était euh, finalement en train de discuter de cette question du Covid au moment où il est apparu. Puis j'ai une autre casquette, c'est que euh, j'ai, euh, me suis beaucoup intéressé à la question de l'éthique parce que euh, la réanimation, elle convoque ça. Si quand vous réanimez quelqu'un, vous vous dites mais est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que je suis pas en train de, de m'acharner, de faire de l'acharnement thérapeutique Et les, les familles vous le rappellent, euh, etc. Et donc on se pose souvent la question du sens profond de ce que c'est que soigner. Et euh, donc moi j'ai ressenti le besoin de faire un troisième cycle universitaire de, d'études d'éthique. Euh, qui m'ont amené à un master 2, c'est l'équivalent d'un DEA pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, et puis qui euh, devait m'amener à une thèse de sciences normalement en éthique. Je serais devenu professeur d'éthique, quoi. Mais euh, ma thèse a été interrompue euh, en cours de route par le, le, le drame. Et, euh, donc euh, donc ah oui. voilà, probablement je serai jamais professeur d'éthique. C'est pas grave, c'est pas, pas très triste. Mais pour autant, voilà, j'ai un background en éthique. Et puis euh, par la force des choses, pendant le Covid, j'ai dû embrasser plein d'autres métiers. Euh, je me suis mis en disponibilité de la fonction publique hospitalière. Et euh, ça veut dire que j'ai choisi moi-même de partir parce que je ne voulais pas céder à la, à la pression qui était mise euh, sur les soignants, euh, rapport à certaines obligations euh, professionnelles. Et donc, euh, je me suis retiré euh, du marché temporairement, mais je suis toujours euh, praticien hospitalier. Euh, donc, en gros, euh, voilà, le, un, un médecin lambda de l'hôpital, si vous voulez. Et par ailleurs, j'ai plein d'autres casquettes. Euh, interdisciplinaire à l'hôpital, parce que moi j'aime bien travailler avec d'autres spécialités. Je, je, comme je vous ai dit, je suis, je suis assez curieux de nature, j'aime bien découvrir ce que font les autres, parce que c'est comme être une petite souris qui rentre dans l'atelier d'un artisan et qui va regarder, émerveiller ce qu'est en train de faire l'artisan. Moi j'aime beaucoup voir ce que font les autres médecins, les autres chirurgiens, les, pharm les, les pharmaciens, euh, les administratifs, les, les, les autres professions aussi qui sont, euh, qui sont toutes nécessaires, que ce soit les brancardiers, les gens qui gardent la porte, etc. Et donc j'ai eu des rôles transversaux. Perso dans l'hôpital, euh, notamment de, sur la prise en charge de la douleur, où j'étais président du comité de lutte contre la douleur de mon hôpital pendant trois ans, euh, autour de cette question de la souffrance et de la douleur, parce que c'est pour moi c'est central dans mon parcours de médecin. C'était euh, d'emblée cette histoire de douleur et de souffrance. Est-ce que je peux y faire quelque chose Est-ce que euh, je peux arriver à. À améliorer un peu la condition humaine quoi avec mes, mes petits moyens et euh, depuis le départ moi c'est pour ça que j'ai fait médecine c'est euh, le constat qu'on souffre tous quoi qu'on est tous un peu paumés sur cette planète à, à essayer de faire son chemin il y en a qui souffrent plus que d'autres il y en a qui sont nés avec plus ou moins d'atouts euh, etc et ben bah, voilà planète, ouais, planète, planète malade ouais. Ouais. et euh, et puis j'ai eu un autre rôle qui était d'être en charge de la protocolisation euh, lié à la haute autorité de santé, mettre en place les process, les procédures, les procédures qualité. Et j'étais président du comité de la commission qualité et sécurité des soins de site. Donc en gros, j'étais responsable surtout l'hôpital de la mise en place de toute cette protocolisation HAS et du recueil des événements indésirables. Et donc j'ai été sensibilisé assez tôt à l'idée qu'il y avait des événements indésirables, liés à des thérapeutiques, liés à des prises en charge que l'organisation même de l'hôpital dans son ensemble elle, elle permettait d'améliorer les choses au-delà de la pratique individuelle de moi réanimateur, de toi chirurgien, etc. En gros, notre organisation collective, elle pouvait aboutir à des meilleurs résultats ou à des moins bons résultats. Et à la fois, j'ai vu le piège que ça représentait, c'est-à-dire d'arriver à, à vouloir que l'hôpital soit un algorithme, une espèce de process qui se déroule, et à la fois, l'ambiguïté, c'est qu'effectivement, quand on met en route certains process, ça marche mieux. Et là, dans le Covid, ça a été complètement évident que le process mis en place de prise en charge, entre la ville, l'hôpital, relaville derrière, euh, le, la, la barrière des médecins généralistes initiales qui a été complètement effondrée, etc., ce n'était pas du tout comme ça qu'on obtiendrait des résultats corrects de prise en charge pour cette maladie. Et donc j'ai été très choqué de voir que nos tutelles, en fait, n'appliquaient pas euh, ce qu'on applique d'habitude pour optimiser les prises en charge. Voilà, un peu la présentation que je peux faire. Et puis la dernière chose, c'est que je me suis beaucoup occupé bien, ces bien dernières bien. années. Ouais, ces dernières années, j'ai pas rien fait en fait pendant la disponibilité. <laughs> je suis euh, activé même sans salaire. Euh, mais voilà, j'ai participé à un mouvement de, de, de médecins, de chercheurs, d'universitaires, de scientifiques, de citoyens, d'artistes, de chefs d'entreprise. De, de... Il y avait tous les citoyens finalement euh, qui nous ont aidés, et qui s'est appelé Réinfocovid et qui cherchait euh, finalement à euh, à essayer de rouvrir l'espace du dialogue, quoi, du débat scientifique et, et... On pensait que c'était en train de se refermer. Et nous, on voulait un peu ingénument au départ. On ne pensait vraiment pas que c'était aussi sévère que ça. On, on voulait dire bon, bah, peut-être qu'il y a un autre son de cloche. Quoi. On va vous raconter ce qui se passe dans nos services. On va vous raconter comment nous, on lit la littérature scientifique. Et puis, parfois, on sera en désaccord avec la HAS, avec la NSM, etc. Au début, c'était très médical et scientifique. Mais rapidement, on a vu que c'était plus vaste que ça. Que ça avait un autre, une autre dimension. Et notamment, celle de la peur et de la colère. Que beaucoup de gens avaient peur. Peur du virus pour certains, peur de Bill Gates pour d'autres, pour simplifier. Hein, oui, c'est un, euh, un peu plus complexe que ça. Mais qu'en gros, c'était de la peur. Et que là, euh, bah, ouais, moi, j'ai pris mon rôle de rassuriste à plein, quoi, comme, comme vous dites. Euh, C'est-à-dire, de, de, ouais, mon rôle de tout bib, j'imagine que c'est d'essayer de mettre les gens dans des conditions où ils sont suffisamment à l'aise pour prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes et pour arpenter un chemin de guérison. Et donc, euh, les foutre dans le rouge en disant Vous avez un terrible cancer, vous allez en mourir, c'est sûr. Euh, bon, <laughs> ça marche pas, quoi. Euh, c'est plutôt au contraire essayer de poser les choses de manière claire, revenir au réel et, et ne pas euh, surinflater l'émotion. Et ça, euh, c'est ce qu'on apprend en premier euh, chez les militaires, par exemple. Quand quelqu'un est, est radio, euh, s'il prend la radio et qu'il dit à tout, euh, tout l'état-major On est cerné, il y a des ennemis qui déferlent de partout, euh, c'est terrible, ils ont un armement dix fois plus lourd que le nôtre, on va tous crever. Bon bah ok, <laughs> c'est pas très constructif, quoi, parce que tout le <laughs> monde va paniquer. Donc, lui, il est là pour dire, OK, il y a une colonne de chars qui arrive par le nord avec 17 euh, Tigers ou je sais pas quoi. Euh, de l'ouest, il y a l'artillerie qui protège euh, ça euh, avec euh, 5, euh, 5 escadrons, etc. il donne des faits. Et une fois qu'il a posé les faits, on peut commencer à travailler. Donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Déjà, Louis, euh, merci pour toutes ces précisions. Alors, euh, c'est difficile parce que. Je savais qu'en préparant cette émission, j'aurais énormément de questions à vous poser, donc je vais essayer de ne pas vous harceler trop de questions. Je vais essayer de faire assez simple. Euh, et je rejoins un petit peu les commentaires de, de nos auditeurs, et je remercie, ils sont plus de 70 euh, à nous suivre en, en temps réel, parce que vous avez fait partie des gens, personnellement, qui euh, m'ont incité aussi à repousser les limites de la désobéissance civile. Euh, quand on était en manif contre le pass vaccinal, euh, le pass sanitaire, etc. Euh, moi, j'ai été suspendu aussi en, en tant que, que guide. On va dire, je travaille dans un musée, et c'est vrai que comme beaucoup de Français, j'ai été confronté à cela. Et avant l'émission, justement, je disais le, le livre de Elsa Rouillé, euh, Paroles de soignants suspendus. Alors, il y en a eu beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Bien sûr, il y a eu le vôtre, Tous résistants dans l'âme. D'ailleurs, on pourra parler aussi euh, du film. Alors, j'ai pas eu la chance de voir le film, mais euh, on salue Fabien Moine également. Euh, mais voilà, c'est euh, vous avez fait partie des personnes qui euh, déjà ont émergé, on va dire, dans cette noirceur euh, anxiogène euh, du monde médiatique, euh, politico-médiatique, entre les médecins de plateau télé euh, en plein conflit d'intérêts et vous qui arrivez un jour, je vous découvre sur CNews avec euh, Morandini, bon, qui est un peu dans la merde en ce moment, mais euh, qui justement euh, euh, vous dit euh, Monsieur Dufouché, euh, pourquoi euh, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle et là, vous nous sortez, bonjour, je m'appelle Louis Fouché. Alors, je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt, etc. Et là, je me suis dit, ah, tiens, il y a déjà un son de cloche différent. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est une personne que je connais pas, qui euh, paraît posée, rassuriste. Alors, je ne savais pas que c'était un euh, péjoratif de rassurer les gens, mais durant cette période sanitaire, on l'a vu, il fallait faire peur à tout prix, il fallait euh, tout de suite. Euh, euh, inciter les gens à se faire injecter, euh, à se faire tester, même quand on, on toussait ou qu'on éternuait. Et donc, euh, à partir de là, euh, par rapport à tout ce que vous avez dit, quand vous dites que vous avez fait une thèse sur l'éthique et que vous ne serez peut-être jamais professeur d'éthique, en fait, vous avez déjà fait de l'éthique pendant toutes ces années parce que euh, vous avez remis aussi dans, au cœur du sujet, dans l'actualité, des choses qu'on avait oubliées, déjà, ne pas nuire, « primum non nocere », c'est ce que vous dites souvent dans les interviews, parce que j'ai suivi pas mal de vos interviews et, et je sais que au-delà de la santé, vous avez aussi d'autres cordes à votre, à votre arc puisque sur Éthique TV, par exemple, j'ai vu que vous parliez de permaculture, de philosophie. Donc euh, c'est aussi ça qui m'a intéressé chez vous, c'est que euh, contrairement à beaucoup de scientifiques qui sont entre guillemets euh, conditionnés, endoctrinés avec la fac de médecine, avec tout ce qu'on leur a appris, puis il faut qu'ils remettent parfaitement dans l'ordre ce qu'ils ont appris à l'école. Là, j'ai vu quelqu'un qui euh, euh, n'était pas que euh, spécialiste de son domaine, mais qui aussi pouvait parler d'autres sujets euh, comme la philosophie, mais aussi euh, comme le transhumanisme, moi qui est un sujet aussi qui me passionne, mais qui m'inquiète énormément, et donc de ce fait, forcément avec euh, des reportages comme Hold Up ou euh, comme euh, des reportages sur euh, ce qu'on évoque sur l'intelligence artificielle. Et euh, c'est ça aussi qui m'a intéressé chez vous, puisque euh, on a remis au cœur du sujet des, des choses que on pensait évidentes avant le Covid et qui finalement euh, sont devenues des choses presque marginales, comme le serment d'Hippocrate, euh, comme euh, voilà ce principe de, de ne pas nuire. Et, et donc on s'est aperçu, euh, au fur et à mesure de, de ces décisions gouvernementales arbitraires, puisque euh, le peuple n'a jamais été sollicité, le Parlement encore moins, pour valider ou non telle ou telle mesure, le passe sanitaire et le passe vaccinal restera, resteront dans les mémoires pour toujours, comme les, les guerres, etc. Et malheureusement, avec l'actualité qui se prépare concernant les masques, et je sais qu'avec le conseil scientifique indépendant qu'on salue, vous aviez parlé notamment de, de ce sujet-là, donc on va en reparler bien sûr. Mais déjà, avant l'émission, euh, euh, en aparté, on, on évoquait le virus en lui-même. Et donc, euh, honnêtement, qu'est-ce que vous pensez des, des théories concernant le fait que, bah, par exemple, le virus n'existe pas, que c'est un virus imaginaire, qu'il a été inventé de toutes pièces Ouais. Euh... Vous me lancez ah, sur, un gros, sujet, un, me sur un, un gros sujet et qui pourrait ouais. être euh, clivant. Oh. Euh, et c'est ce que j'ai constaté. Euh, je vais pas répondre tout de suite à votre question, mais c'est que le, la résistance, comme on l'a appelé beaucoup, euh, c'est fait de gens qui euh, sont pas comme les autres dans l'ensemble, <laughs> qui ont la tête un peu euh, dure, quoi, et qui ont pas envie de faire ce qu'on leur dit, qui sont, euh, euh, ben bah voilà, à nul autre pareil, quoi, de plein de façons euh, super belles et parfois super pénibles, <laughs> et, euh, et que ça, c'était finalement, c'est un peu sélection les gens qui ne voulaient pas rentrer dans un conformisme social, une sorte d'expérience de hache ou d'expérience de, de 1000 grammes euh, en grandeur nature, hein, finalement, c'est ces expériences. Hein. Euh, et donc, ça sélectionne des gens qui, eux, tiennent au bon sens, tiennent à, à quelque chose de... À, à revenir au réel. Et, et ça, je voudrais qu'on... On, peut-être qu'on on garde ça en, en ligne de mire, c'est rester dans le réel. Parce que le risque, ce serait de, de partir dans une histoire théorisée euh, sur ce qui, tout ce qui est en train de se passer, <laughs> qui sera... Pas ça que je dis quoi, mais euh, les gens qui vont dire c'est un énorme complot euh, par dix euh, personnes au monde, peut-être qu'ils ont raison. Moi, n'ai pas de data pour dire ça. Je... Mais justement, tant que j'ai pas de data, je reste sur. Qu'est-ce que moi je vois Qu'est-ce que je peux comprendre de ce qui se passe Et euh, qu'est-ce que je peux vraiment toucher du doigt Et c'est pour ça vous m'avez peut-être jamais entendu parler de la question de la guerre en Ukraine, hormis pour dire euh, bah, moi je trouve ça dramatique que des jeunes gens meurent sur un champ de bataille, parce qu'au fond, euh, ça se passe loin et je ne vais avoir que le son de cloche bah, d'un côté euh, des, des, des généraux euh, euh, otaniens euh, payés euh, par le système qui passe euh, dans les médias, Après, ou, le fond, si de l'autre je... côté de gens qui sont très... Oui. Si je peux me permettre, oui, euh, simplement, et je peux comprendre votre point de vue, puisque euh, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Et vous demandez la question de l'Ukraine. J'allais dire, c'est comme si on, un boulanger, on lui demandait euh, s'il était spécialiste du carrelage euh, d'une maison. C'est à dire Exactement, que il ouais. y a, voilà, il y a des thèmes. Alors là, c'est sans prendre parti, mais moi, c'est pareil. Euh, là, récemment, on m'a dit euh, qu'est-ce que vous pensez de la situation euh, au Niger, au Gabon, etc. Moi, je suis écrivain engagé contre le harcèlement scolaire. Donc, c'est déjà un sujet très compliqué, le harcèlement à l'école. Euh, et la rentrée scolaire fait qu'on peut en beaucoup en parler. Mais euh, je me rends compte que parfois on nous demande, parce qu'on a une influence, parce qu'on a une audience, parce que parfois on est un peu connu, etc., de prendre position sur des sujets qui sont très compliqués. Je ne vais pas vous demander ce soir, euh, par exemple, ce que vous pensez de la pédocriminalité, parce que c'est un sujet qu'il faut avoir creusé un petit peu, etc., même si vous pourriez donner votre avis en tant que citoyen. Euh, j'ai des personnes qui me demandent aussi ma position sur la franc-maçonnerie. Bon, moi j'ai une position parce que j'ai un peu creusé le sujet, mais je ne suis pas spécialiste. Vous, peut-être que vous avez plus d'éléments que moi, par exemple. Mais voilà, ce qui est assez intéressant, c'est avec cette période sanitaire, on a eu euh, ce que j'appelle les ultra-crépidarianistes. C'est euh, un mot qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Ce sont des gens qui sont spécialistes de tout en apparence, mais qui n'y connaissent rien. Et c'est ce qu'on a eu pendant trois ans sur les plateaux télé. Euh, certains scientifiques de, de plateaux télé, que je ne citerai pas, mais euh, j'en ai, ai découvert un qui est néphrologue et qui parlait d'un virus. Et puis j'ai vu une vidéo... Où il s'exprimait à la grande loge de, de France, euh, dans une loge maçonnique, où il dit En fait, j'y connaissais pas grand-chose, mais on m'a dit que je parlais bien à la télé et que je faisais suffisamment peur. Donc, on a décidé de m'inviter plusieurs fois. Et donc, on a vu les coulisses un petit peu du système politico-médiatique. Et par contre, là où j'aimerais avoir votre avis, c'est euh, lorsque le professeur Rao a commencé à parler de l'hydroxychloroquine. Donc, si dans mes souvenirs sont bons, c'est le février 2020, où là, on commence à découvrir le professeur Raoult. Plus que d'habitude, parce que moi, personnellement, je ne le connaissais pas avant. Et là, euh, qu'est-ce que vous avez pensé justement de l'interdiction des traitements préventifs et de la de la, comment dire, de la manipulation politico-médiatique pour interdire tout ce qui pouvait être bénéfice pour la santé pour ne privilégier que les injections? Ah, C'est quelque chose d'extrêmement de, choquant, en fait. Mais je vais, je vais quand même répondre à votre question sur le virus avant okay. de répondre à votre question oui, sur l'hydroxychloroquine. C'est que euh, effectivement. Euh, en fonction de où on regarde un sujet, on va voir un petit morceau. De toute manière, le sujet est un diamant multifacette. Donc, si vous êtes euh, statisticien, par exemple, vous allez voir des statistiques, et vous pourrez dire bah, c'est rien, rien passé de significatif, quoi. Et effectivement, vous prenez les datas. Euh, le Covid a constitué 2% des hospitalisations en 2020, alors que c'est l'année où il y a eu le plus de, euh, de normalement, on a fait tout le battage, etc. Et en fait, vous dites bon, 2%, euh, bon, ok, <laughs> c'est quoi alors euh, et, et donc on a hyper inflaté la bulle autour du Covid, euh, voilà. à tel point que certains concluent qu'il n'y aurait pas de virus, ça n'existerait pas, euh, qu'on serait dans, dans l'erreur depuis... Pasteur, finalement, et il serait devenu euh, des fervents défenseurs euh, de, de Béchamp contre Pasteur, en refaisant l'histoire, etc. Moi, je suis plus prudent que ça, c'est-à-dire que je pense que euh, et Pasteur et Béchamp ont chacun eu des bonnes idées, des mauvaises idées, des choses qui étaient chouettes, etc. Mais puis, depuis, il s'est passé euh, euh, des, des, beaucoup de temps, et dans ce temps-là, on a travaillé. Et euh, aujourd'hui, quand on observe au microscope électronique, quand on séquence par séquençage profond, euh, quand euh, on a une... La microbiologie a fait des progrès que les gens peuvent pas imaginer parce qu'ils sont jamais rentré dans un laboratoire de microbiologie. Et euh, là, je, moi, j'invite tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de virus à venir visiter l'IHU et, et euh, la section de microbiologie, quoi, euh, pour que vous, vous veniez voir. Euh, et en tout cas, pour moi, tel que je me figure le monde, mais c'est peut-être pas vrai parce que toutes les théories scientifiques sont, au bout d'un moment, finissent par être réfutées. Hein, donc c'est que temporaire. Pour moi, il y a des virus. Et pour moi, il y a un Sars-CoV-2. Et il y a un Sars-CoV-2 avec des variants. Et ce, cette façon de regarder les choses pour le moment de manière pragmatique elle m'est utile parce qu'elle me permet de mettre en place des thérapeutiques préventives des thérapeutiques curatives etc alors que re, moi j'ai un parti pris pragmatique vous savez c'est un peu comme le pari de Pascal ou des choses comme ça C'est, je suis un pragmatique en, en tant que réanimateur je m'embarrasse pas de théorie C'est, j'essaye de savoir qu'est-ce qu'il a tout de suite va me permettre d'agir donc je, je réponds à une des, un des auditeurs qui disait Oui, mais alors on a démontré que c'était un complot, etc. D'accord, mais est-ce que ça me met en action Est-ce que je peux y faire quelque chose Est-ce que là, tout de suite, moi, c'est ma mission de vie d'aller faire un procès à Bill Gates Si c'est le cas, si je me révèle là-dedans et j'y vais, j'y vais à fond. Euh, et je ne vais pas rester fasciné par le monstre. Parce que beaucoup de gens, en fait, ont tellement peur de tout ce qui est en train de se passer que c'est comme s'ils vomissaient. Euh, le monstre, c'est la catharsis, hein, c'est la, la catharsis, c'est le purgatif. Hein, donc c'est ce, ce qui fait vomir et euh, qui fait que vous allez garder le monstre devant vous et vous allez le revalider tous les jours. Parce que tant qu'il est devant vous, il n'est pas encore en train de vous bouffer. Et donc tous les jours, vous allez swiper votre fil Telegram, votre fil euh, Twitter ou je sais pas quoi, avec toutes les horreurs qui sont faites par tous les salopards qui règnent sur le monde. Mais je vous rassure, hein, les, les salopards qui règnent sur le monde, c'est pas nouveau du Covid. C'est pas d'un coup euh, les gens ont émergé. Euh, non, 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 vous savez qui sont les multimilliardaires. Vous savez qui sont les multinationales. Vous savez qui décide aujourd'hui réellement euh, de, état, de la transformation de nos sociétés. C'est pas le président de la République. C'est pas nos députés, etc. Bien sûr que non. C'est les gens qui ont le pognon. Et les gens qui ont le pognon, bah oui, c'est les fonds de pension, euh, BlackRock, euh, <laughs> Vanguard, etc. Oui, euh, c'est les grandes multinationales comme Amazon, etc. Voilà. Et c'est même acté officiellement. Enfin, maintenant, ils il ne se cachent plus. Mais... J'avais une petite parenthèse à vous demander. Euh, avant le Covid, avant que la plupart des gens ne vous découvrent médiatiquement, euh, comment vous avez vécu le mouvement des Gilets jaunes, qui, entre guillemets, à mes yeux, reste un des mouvements de ces dernières années qui a été vraiment euh, une traînée de poudre en quelques semaines. D'ailleurs, demain, demain soir, je reçois à votre place Didier Maisto, que j'ai découvert durant les Gilets jaunes, qui est l'ex-patron de Sud Radio. Et euh, justement, vous, en tant que citoyen, j'allais dire, Comment vous avez vécu ce mouvement Est-ce que, est que vous avez cru à un moment que le mouvement aurait pu mettre, j'allais dire pas la société par terre, mais que c'était bien parti pour prendre des proportions énormes Alors moi, pour rien vous cacher, je suis, je suis médecin avec un peu le nez dans le guidon, des gardes le de week-end, qui travaillent ouais. la nuit, euh, etc. Et, et donc une activité professionnelle et puis une vie familiale avec euh, trois jeunes enfants qui font que, euh, globalement, et, je suis peu intéressé par euh, l'actualité. Euh, je suis plus intéressé par l'histoire et choses comme ça. Donc, j'ai pas de télévision, j'ai pas de téléphone numérique. Euh, je n'ai pas d'autoradio. Il a été volé un jour et puis on l'a jamais changé. Euh, oh. et donc, euh, donc, en gros, je suis assez peu au contact, hormis par la discussion que j'ai avec les gens. Et donc, mon rapport avec les gilets jaunes, il a été plutôt. Et bien sûr, il y a l'ordinateur lui-même, mais j'essaie de m'en protéger parce que l'ordinateur, quand vous mettez le doigt dedans et que vous voulez faire juste un petit tour sur Twitter, vous, vous réveillez une demi-heure plus tard ou une heure plus tard, et euh, Twitter vous a bouffé une heure de vie, quoi. Euh, donc je suis très prudent vis-à-vis -vis de ça, parce que moi j'ai envie de garder de la liberté de penser. Donc je me protège un maximum, en gros, de l'actualité. Mais au moment des gilets jaunes, j'ai pas forcément tout compris. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose, mais je comprenais pas le prétexte qui était cette hausse de prix initiale. Il me paraissait qui est bien pas bien pire euh, mais... voilà qui est bien pire aujourd'hui. Et pourtant personne ne bouge. Et donc je me suis posé la question de me dire mais est-ce qu'on n'est pas face à un, un xème mouvement instrumentalisé par le pouvoir? Pour dégonfler la colère populaire, dégonfler toutes les vraies questions de fond. Euh, et donc, euh, est-ce que ça n'a pas été lancé comme un complot, justement, euh, comme une contre-mesure, pour pas qu'il y ait de, de, de révolte pendant le Covid, justement, justement et, paradoxalement, Mais j'ai vu, vu que le Covid, le, que les Gilets jaunes ont dépassé largement. Les attentes qui probablement étaient celles de ceux qui les avaient mis en place initialement, Merci. et que c'est devenu un vrai mouvement où les gens se sont vraiment retrouvés sur des ronds-points, ont commencé à réfléchir à la question du pouvoir, ont structuré leurs vraies questions de fond autour de la représentation démocratique, de la question du suffrage ou euh, voilà de, de la constitution. J'ai pu découvrir le travail d'Étienne Chouard au passage, qui est devenu un ami. Oui. Euh, et donc, ouais, euh, moi, je, je suis très admiratif, au fond, euh, de tout ce qui a été fait par les Gilets jaunes. Et donc, je, maintenant, je peux vous le dire, j'ai de l'admiration, en gros, pour ce qui a été fait. Et, et j'ai beaucoup aimé cette idée aussi de, on arrête avec les clivages à la con, euh, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes d'extrême gauche, vous êtes d'extrême droite. Merci. Non, non, en fait, tout ça, c'est un petit théâtre de marionnettes pour séparer les gens. On se retrouve sur les ronds-points, qu'est-ce qu'on veut faire pour notre pays et pour notre vie et, euh, et pour nos enfants Et ça, j'ai trouvé ça très, très juste. Euh, et voilà, donc j'ai été très triste qu'il soit... Enfin, j'ai vu le niveau de violence avec effarement qu'étaient capable de développer nos institutions, euh, les violences policières, etc. Euh, j'ai vu tout, le, tout ce qui a été fait par Dufresne euh, sur, euh, je ne sais pas si vous aviez oui. vu toutes ces photos et qui montrent en gros oui, euh, voilà, le, le, le niveau de violence. Euh, J'avais vu son film, Un, peuple, Un pays qui se tient sage aussi. Euh, oui, oui. Euh, et et, et j'ai été effaré. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, effectivement, il se passe quelque chose de très grave. Nous rentrons dans une ère totalitaire euh, et répressive. Mais je n'avais pas encore bien compris. Et c'est le Covid qui m'a vraiment réveillé. Là, j'ai compris. Alors, ce que beaucoup de gens ont évoqué à partir du Covid, et pour faire un bref historique, parce que j'ai été gilet jaune quelques les premières semaines du mouvement, et personnellement, je ne pensais pas que ça aurait pris des proportions à ce point-là, puisque on avait eu les grèves de 1995. Ça avait duré trois semaines. Là, ça a duré plusieurs mois. Et euh, il y a eu l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019, qui a sonné le coup d'arrêt du grand débat national et toutes les de d'oléances, enfin toute la supercherie médiatique. Et puis, il y a eu la période Covid, où, on, où beaucoup de gilets jaunes se sont dit finalement, ils ont réussi à trouver le meilleur moyen pour nous stopper net. C'est avec le virus. Alors, on parlait de Big Gates tout à l'heure. Je voudrais juste faire une parenthèse, puisque Claire Sévrac, de son vivant, parlait justement de Bill Gates et de cette fameuse conférence TEDx qui avait eu lieu en 2015 où il parlait du fait déjà du réchauffement climatique à l'époque avec le, le carbone et le fait que pour réduire la population mondiale, ils allaient... Et c'est une vidéo qui est toujours disponible sur euh, Odyssey par exemple, pas sur YouTube parce qu'elle a été censurée mais où il disait qu'avec les, les injections, on pouvait réduire de 10 à 15 la population mondiale, et à l'époque ça faisait rire tout le monde, on pensait que c'était presque une blague. Et puis, euh, il y a eu aussi la, la, la fameuse simulation de, de pandémie à New York le 18 octobre 2019, c'était le jour d'ailleurs des Jeux olympiques en Chine, et justement, on prévoyait un, un, une, un épisode d'un virus qui ferait des 65 millions de morts en six mois, c'était ce qui était prévu. Et puis, Bill Gates a reconnu lui-même, je crois, il y a deux ans à peu près, que finalement, le virus avait été moins violent que prévu, que les injections, bah maintenant, il ne faudrait plus les faire en deux ans, mais en six mois. Et euh, on s'est aperçu de cela. Et là, je voudrais en venir à nos enfants, parce que nos enfants, c'est l'avenir. Et j'en profite pour saluer les mamans Louvre, avec notamment Roxane, euh, que je connais bien, avec qui j'ai fait une émission. Et... Euh, qu ce que qu'est ce que vous pensez justement du traitement qui a été fait à nos enfants durant cette période sanitaire et ce qui est prévu justement à la rentrée pour les masques etc alors je, euh, je vais vous parler des enfants mais tout ce que vous avez dit sur le, la les successions d'événements les uns après les autres ouais. effectivement euh, va plus loin que ça même c'est à dire que les les scénarios de, de, de catastrophes pandémiques ont dé, été déjà écrits avec le moindre détail sur comment contrôler les réseaux sociaux, etc., euh, par John Hopkins University. Ils sont déjà écrits pour 2025-2029, pour le sparse, pour ceux qui veulent aller voir le scénario, <laughs> et se dire à quelle sauce on va être mangé. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Alors, euh, des grandes supercheries, euh, des grands moments euh, de manipulation euh, collective, ont l'air d'être la spécialité, en gros, euh, des gouvernants euh, des États-Unis. Et alors peut-être de plein d'autres pays, mais effectivement, on a l'impression que les États-Unis sont le peuple. Enfin, je parle pas du peuple, justement. Je parle sont dans le peuple de la liberté, mais leurs élites, eux, elles, ont l'air d'être plutôt le gang de Hollywood, quoi. Les gens qui sont capables de raconter des histoires, de faire des récits en permanence fictionnels, où ils passent leur temps à, à, à nous mentir, au fond. Les, les Indiens n'étaient pas méchants, les cow-boys n'étaient pas gentils, euh, le, le Pearl Harbor était pas clair, euh, et servait à déclencher <laughs> la guerre du Pacifique, etc., jusqu'à la question du 11 septembre, jusqu'à la question euh, de, de, de qu'est-ce que c'est que le, le, le Covid. Et on a l'impression que, à force de mensonges, à force de, de trucages, etc., euh, qui sont tous avérés dès que les dossiers sont déclassifiés. Hein, en gros, hein. euh, le, je pense au rapport Warren aussi sur la mort de, de, de JFK, etc. Oui. Vous en avez plein qu'il faudrait raconter. Il faut raconter les cold cases, les, les sujets froids. Vous savez, ça évite de directement défoncer, mais ça permet aux gens de comprendre petit à petit le niveau de mensonges dans lequel on est baigné. Euh, je prends pour exemple quelque chose où, où je crois que c'est Clinton ou c'est Bush qui a dit un jour bon bah oui effectivement sur Pont-Saint-Esprit on euh, on a balourdé dans les années 50-60 du LSD euh, par avion et euh, voilà et mais à Pont-Saint-Esprit tout le monde est devenu fou un jour avec des hallucinations et euh, tellement fou euh, avec des hallucinations, qu'ils ont accusé le boulanger en disant bah c'est toi tu as fait pourrir le seigle donc ça a donné de l'ergot de seigle et l'ergotisme vous savez ça donne des hallucinations un ça ressemble au LSD quoi finalement à tel point que le boulanger finit fini par se suicider puis euh, l'affaire a été classée tout le monde est passé à autre chose la ville est, mar... est restée marquée par cette histoire mais personne n'a eu le fin mot et puis euh, voilà dans les années 90 on a gentiment le président américain qui dit bon on a déclassifié le dossier euh, c'était de la recherche militaire euh, bon désolé quoi on a <laughs> voilà et donc ça c'est très très interpellant, les gars sont capables de faire n'importe quoi. Et moi je pense aussi dans la recherche médicale à l'histoire des sacrifiés d'Alabama qui est un classique en gros en éthique pour, euh, parce que ça a donné lieu ensuite au principe de bioéthique qui est que euh, un certain nombre de, de personnes euh, noires américaines d'Alabama étaient atteintes de la syphilis. La syphilis c'est une maladie infectieuse hein, euh, qui, euh, bah, bon, on connaît tous le collier syphilitique machin, mais euh, ça finit par rendre fou. Ça finit par rendre dément. Euh, ça s'appelle la démence syphilitique. Et le traitement de cette maladie, il est très simple. C'est de la pénicilline. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Un bacille qui est très sensible à, à n'importe quel antibiotique. Et donc, il suffit de donner de la, de la pénicilline. Et ces malades, on a découvert la pénicilline entre 39 et 45. Enfin, en tout cas, ça a, été mis, euh, ça a été développé de manière industrielle. Et on a eu les antibiotiques. Mais ces antibiotiques n'ont jamais été donnés aux gens qui étaient suivis par une étude de cohorte où on regardait leur devenir. Jamais on leur a dit, bah au fait, on a un traitement, voilà, ça s'arrête. Non, on a continué à les regarder tous les trois mois, tous les six mois, pour les voir devenir fous, jusque dans les années 75. Vous imaginez, plus de 30 ans après que ce soit possible de les soigner. Donc ça, c'est un scandale énorme euh, qui a donné lieu ensuite à des réflexions sur, mais on n'a pas le droit de faire de la recherche euh, sur des gens sans leur consentement, sans leur garantir le meilleur accès aux soins, etc. Et ça avait déjà été dit. Par euh, les, les, le code de Nuremberg, le code de Nuremberg qui avait fait suite aux médecins nazis, notamment Mengele, euh, entre autres, dans les noms connus pour que vous ayez des repères historiques, mais qui avait fait des recherches, des recherches de stérilisation, des recherches euh, extrêmement sévères, sans consentement, euh, sur des populations, les populations de Zigan, les populations euh, de gens déficients mentaux, les populations juives, euh, et qui ont fait ça, froid d'eau, quoi, comme ça, et qui en plus ont été exfiltrés vers les États-Unis par l'opération Paperclip, qui fait qu'en fait ils ont continué leur programme ensuite euh, sans complètement impunément. Mais on a fait un texte euh, qui était le code de Nuremberg, qui disait on a non, on peut pas faire ça. Puis il y a eu les procès de Nuremberg, donc on a eu quelques sacrifiés euh, pour qu'on de bouc émissaire, euh, mais il y en, <laughs> y en a beaucoup d'autres qui sont sortis. Or on se retrouve dans une situation où c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'injection expérimentale, on passe sur YouTube, on va utiliser des mots détournés peut-être, euh, mais en gros, le truc est développé dans des, des délais qui ne sont pas compatibles avec la recherche habituelle. C'est pas, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Le, le, le virus est séquencé intégralement le 13 janvier, je crois. Le 14 janvier, Moderna annonce qu'ils ont un projet de vaccin. Vous imaginez enfin, C'est incroyable. C'est n'est juste pas possible. Quoi. Et euh, c'est justement là qu'on se pose la question de savoir si, euh, enfin, sans être complotiste, hein, mais. Euh, est-ce que euh, pour être aussi euh, raccord, j'allais dire, avec les événements, les calendriers, etc., sachant que, euh, on nous dit qu'il faut au moins, même le professeur Perron, avec qui j'ai fait une émission, me disait il faut au minimum 8 à 10 ans pour faire un, un vaccin traditionnel, etc., euh, c'est là qu'on se dit finalement, est-ce que tout n'a pas été prémédité pour être à ce point euh, aussi proche dans, dans les dates Parce que euh, quand on regarde les événements de manière factuelle, en janvier 2020, Agnès Buzyn commence à interdire l'hydroxychloroquine et les traitements, alors que ça fait 70 ans qu'on l'utilise. Et j'ai eu l'occasion de parler avec des lecteurs en Afrique qui me disent Mais les Occidentaux, vous êtes complètement fous. Nous, l'ivermectine, on l'utilise depuis des années. Au Nigeria, notamment, ils l'utilisent beaucoup. L'hydroxychloroquine, même le professeur Raoult, qui, qui est né à, à Dakar, il dit Nous, on prenait ça quand on était gamin, limite comme des bonbons. Et euh, par la suite, on nous dit euh, Le virus, il va s'arrêter à la frontière comme le nuage de Tchernobyl. Et ensuite, on nous dit bon bah, les masques sont interdiction de vendre des masques parce que faut se rappeler aussi de, de la folie qui s'est produite euh, dès mars 2020 euh, au-delà du nous sommes en guerre, c'est que des pharmaciens avaient interdiction de vendre des masques sous peine d'avoir 10 000 euros d'amende et six mois de prison, donc des trucs complètement hallucinants. Et trois mois plus tard à peine, on nous dit les masques sont obligatoires, faut les porter même quand vous êtes tout seul sur la plage ou en forêt. Et là, nos enfants qui ont subi de plein fouet cette tyrannie sanitaire, euh, des témoignages de parents que j'ai pu avoir durant le Covid qui étaient glaçants, des, des profs qui excluent de classe des gamins parce qu'ils ont le masque sous le nez, euh, des choses hallucinantes parce que bah, vous aviez parlé, et Roxane m'en a parlé aussi, euh, du jeton pour respirer en classe, des choses, mais euh, même, même pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas vu ce genre de choses, même si c'était sur d'autres plans, mais des rescapés... D'Auschwitz ou, ou de la Seconde Guerre mondiale nous disent, mais les passes, euh, on avait quand même droit d'aller au resto, d'aller au bal, on avait droit de vivre. C'est pas parce qu'il y avait la guerre qu'on était assigné à résidence de force, contraint, sans, sans, sans notre consentement. Et là, on s'est aperçu qu'on est arrivé dans quelque chose qui est de l'ordre de la dystopie. Hein. On a beaucoup parlé de 1984 d'Orwell ou d'Oxley du meilleur des mondes, mais on est rentré dans ce narratif-là que même Hollywood n'aurait peut-être pas imaginé. Et donc, euh, vous qui avez des enfants, justement, comment, euh, comment ça a été euh, vu, j'allais dire, dans votre famille Et déjà aussi dans votre famille, que euh, comment ça a été perçu le fait que vous ayez résisté, lutté contre cette tyrannie sanitaire par vos prises de position Est-ce qu'il y a eu des soutiens Est-ce qu'il y a eu des, des fractures Comment ça a pu se passer Alors je pense que ça s'est passé comme pour beaucoup de Français, hein, c'est-à-dire qu'à la fois... Euh... Euh, le fait de prendre position de manière claire, hein, de dire non à un certain nombre de choses, a amené à des divisions, à des, au fait de perdre des amis, de perdre des de, de contacts avec des gens que, avec qui on était en lien jusqu'ici. Euh, et ça, c'est euh, douloureux et triste. Hein. On, on se dit, bon, c'est dommage qu'on n'arrive plus à se parler. Et en même temps, euh, probablement, le... La tension était double, hein, de, 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 de deux côtés, l'envie de convaincre euh, de, de la part des résistants, puis l'envie de rester dans un cocon confortable de croyances euh, qui permet de ne pas de ne pas remettre en question toute sa vie. Euh, donc, je, voilà, moi, je jette la pierre à personne et j'espère qu'il y ait plutôt une réconciliation. Parce que pour moi, la fin d'une crise, c'est pas d'avoir raison et de vaincre l'adversaire, mais oui, plutôt la réconciliation des gens. D'autant plus que euh, si euh, tout ce que vous avez dit après, avant. Euh, montre qu'il y a une intention délibérée autour de la création de, de cette de ce de cette injection expérimentale euh, qu'il y a probablement euh, la mise en place d'un process industriel de enfin, en tout cas que la recherche militaire sur les gains de fonction pose énormément de questions et peut-être n'est pas anodine dans cette histoire, puisque le virus, à l'évidence, est synthétique, que maintenant tout le monde s'accorde plus ou moins dessus. Alors après, est-ce que c'est une fuite de laboratoire? Est-ce que c'est une intention délibérée de le propager sur la Terre? Moi, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais on peut, à la fin, dire, globalement, ça, à qui profite le crime Toujours au même. Donc au fond, bon que ce soit fuité, euh, tant mieux, c'est arrivé au bon moment, ou que ce soit prémédité, dans ce cas-là c'est plus organisé. Et on, on, on a l'impression que c'était quand même bien bien organisé. Euh, ce seront les mêmes gens qui en profitent. Vous, vous regardez qui a gagné de l'argent dans les cours boursiers. Ah c'est pas vous, c'est pas moi, c'est euh, <laughs> vraiment... pas nos états, c'est même pas nos états non plus. Euh, donc je pense que follow the money, c'est ce qu'on disait au début de l'épidémie. Hein, euh, suivez l'argent, vous comprendrez mieux euh, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, sur la, et donc, faut pas se tromper de cible. C'est-à-dire, quand vous vous battez avec quelqu'un qui a le dans la rue, ou quand vous vous fritez avec votre beau-frère, euh, vous vous trompez d'ennemi. Euh, c'est pas votre ennemi c'est au contraire c'est quelqu'un qui est probablement une victime et pour certains traumatisé quand vous voyez des gens remettre des FFP2 ou des masques aujourd'hui en 2023 ouais. en, en, en septembre 2023 vous dites ces gens-là sont malades en fait ils sont sont traumatisés ils ont été dans un monde parallèle pendant pendant trois ans et, euh, et, là, et, et, et en gros c'est un peu comme les expérimentations MK Ultra effectivement ils ça y est ils sont conditionnés quoi avec euh, vraiment une, une, un conditionnement presque sous hypnose mais là, il faut faire appel aux sociologues et aux, et aux psychologues. Pour... Alors, justement, je, je fais la transition, ah, oui, par rapport à ce que vous dites, parce que euh, c'est intéressant et ça m'a rappelé ce que j'ai vu, euh, notamment sur les réseaux. Euh, déjà, le Rainer Fulmich, qui a, qui a beaucoup lutté euh, contre les, les, les Big Pharma et compagnie durant le Covid, puisque Rainer Fulmich, déjà, s'était fait connaître par rapport au scandale sur le diesel. Avec certaines compagnies, euh, comment dire, automobiles. Et puis, il y a Robert Kennedy aussi qui a beaucoup lutté durant cette période de Covid. Alors, bien qu'il soit candidat au présidentiel des États-Unis pour 2024, il n'empêche que durant la période de Covid, il a fait partie de ceux qui ont dénoncé justement les, euh, tout, tout ce qu'a fait notamment Fauci aux États-Unis parce que on parle de la France, mais c'est un phénomène international. Et c'est ça aussi qui a semé le trouble, j'ai remarqué, dans la population. C'est-à-dire que quand on essaye de raisonner un petit peu sur le Covid, de parler de ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, sur est-ce que c'est intentionnel, est-ce que c'est un complot ou quoi que ce soit, on nous dit oui, mais comment dire, de toute façon, entre guillemets, on ne pouvait rien y faire parce que c'est mondial, ça existe partout. Donc qu'est-ce que nous, on va faire à l'échelle de la France, notre pays Et j'ai entendu souvent une remarque aussi, alors pour moi c'est du syndrome de Stockholm, c'est de dire oui, mais vous savez... Le président, quand même, hein, depuis qu'il est élu, il a eu euh, les gilets jaunes, il a eu le Covid, il a l'inflation. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Voilà, vous savez, euh, en plus, il est jeune, quand même. On a le plus jeune président de la République, de la 5e République. Et Je ne crois pas que ce soit, euh, comment dire, un atout, euh, surtout euh, quand on voit le résultat. Euh, et c'est pourtant moi qui vais avoir 33 ans qui le dit. Donc, euh, je pourrais dire, c'est génial. J'ai un mec qui a presque... Qui a d'ailleurs votre âge, lui, qui a, qui a 45 ans. Mais euh, voilà, et je me dis... Je me dis, mais ces gens-là, on leur enlève la télé, on leur enlève les informations, etc. Si ça se trouve, ils vont bien, parce que c'est ça aussi le, le, la problématique. Est-ce que finalement, parmi les plus grands responsables de cette période, ce ne sont pas les médias à commencer par eux oui, les médias avaient commencé euh, enfin, de, de, depuis longtemps, ce n'est pas complètement neuf, mais les oui, médias ça, sont, ça, le clér... sont, le, sont désormais le clergé du pouvoir politique et économique. Et en gros, vous avez une triade euh, du pouvoir médiatique, du pouvoir économique et du pouvoir politique qui se sont mis ensemble. Et Montesquieu l'avait dit, il faut séparer les pouvoirs. Vous ne pouvez pas laisser ensemble autant de pouvoirs dans les mêmes mains, parce que <laughs> des agents économiques qui se mettent à dicter les lois. Et à vous dire bon bah c'est comme ça et pas autrement euh, et qui en plus suite sont relayés par une propagande d'État euh, qui est absolument massive en fait euh, et, et phénoménale euh, c'est extrêmement toxique et ça c'est le c'est le rôle des raconteurs d'histoire euh, vous vous souvenez que on avait chassé les sophistes de la cité à euh, Athènes <laughs> en tout cas c'était ce que le ce, qu ce que voulait euh, Platon c'est qu'on chasse ces sophistes de la cité en disant ils sont dangereux quoi ils racontent n'importe quoi ils mélangent le vrai et le faux ils inversent le, euh, le, ils inversent tout et on rentre dans la perversion aujourd'hui vous avez des médias qui vous racontent plus que des mensonges euh, pour les médias de grand chemin hein, comme dirait Slobodan Despot les médias yeah. mainstream vous yeah. savez yeah. euh, c'est comme les bandits de grand chemin bah, aujourd'hui c'est c'est voilà, des bandits de grand chemin mais encore une fois, il y a des lueurs d'espoir, c'est-à-dire que de partout foisonnent des petits médias. Vous avez créé une chaîne YouTube, vous ne peut-être jamais fait quoi, et découvert que vous pouviez toucher un très grand nombre de gens. Et moi, j'invite tout le monde à, à se mettre en chemin là-dessus, à dire Mais j'ai mon mot à dire et je vais raconter une histoire. Euh, moi aussi, sur ce que je comprends du monde, je vais le dire aux gens. Et, euh, et c'est en train d'arriver. C'est à la fois le, le, le grand piège et la grande force des réseaux sociaux. Un piège parce qu'on nous met en silo, parce qu'il y a des algorithmes, parce que demain on peut couper le robinet, etc. Et en même temps, ça permet de toucher énormément de gens. Et nous, on a été frappé du fait que notre action a été finalement possible par les systèmes numériques, alors même que nous sommes des systèmes numériques. Euh, donc c'est toujours euh, ambigu, ambivalent. Euh, le, 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 C'était notre existence sur Terre en tant qu'humain est toujours euh, pétrie de contradictions. Euh, donc ouais, les, les médias sont extrêmement fautifs. Mais je voudrais souligner la différence entre les médias et les journalistes. cest les médias sont des systèmes, et ouais. ces systèmes comme tels sont, sont avec de la corruption institutionnelle, de la corruption systémique, comme le décrit très bien Jean-Dominique Michel. Euh, mais l'immense majorité des journalistes sont honnêtes. Euh, Cherche plutôt à, à renseigner les gens. Mais par contre, sont eux-mêmes coincés dans des doxa, eux-mêmes coincés dans des silos. Genre et il y, a des quelques per... voilà, il y a quelques pervers à la tête du système qui, eux, tiennent les manettes et verrouillent, en gros, la capacité de penser des gens. Et c'est pareil pour les médecins. Moi, je n'ai jamais jeté la pierre à aucun médecin. Euh, parce que l'immense majorité d'entre eux voudraient que les gens soient bien soignés. Et ça, c'est une chance parce que ça veut dire qu'on peut se retrouver quelque part. On peut dire. Euh, « Ok, les médias sont malades, mais toi, journaliste, sors de ce système et viens, euh, viens créer ton, ton média à toi. » Et c'est en train d'arriver. C'est ce que, ce que j'admire chez vous, Louis, parce que je n'ai pas cette même faculté de bienveillance, surtout pour des médecins qui ont refusé de soigner des non-vaccinés. Ou encore, j'ai noté ça hier, parce que j'ai vu ça sur Twitter passé, euh, Chania, qui est une femme qui devait avoir une greffe de rein ou je ne sais plus quoi, parce qu'elle n'était pas vaccinée, elle, 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 elle s'est vue refuser cette greffe et elle est décédée il y a ces derniers jours. Et donc, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui si vous aviez en face de vous des, des médecins, chirurgiens, etc., on en a vu circuler un certain nombre, qui ont dit, voilà, la personne n'est pas vaccinée, moi je refuse, c'est un danger pour la société, euh, je refuse de la soigner. Euh, qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là Alors, ma position sur, en général, effectivement, euh, est d'accepter l'idée de conflit euh, et de violence, mais par contre de réfléchir à comment... En tirer quelque chose d'intéressant et de non violent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si là, publiquement, aujourd'hui, avec vous, je commence à dénoncer des gens, je me mets dans une logique de violence. Je vais avoir une réponse directe. Ouais. L'ordre des médecins va me convoquer, etc. Donc, en gros, c'est complètement inefficace. C'est-à-dire, il euh, n'y a je pas. L'action derrière ne sera pas constructive. Parce que soit j'ai l'argent pour faire les procès, pour mettre les gens en tôle, etc. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir vous dire tout ce que je pense euh, de, 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 des médecins, etc., qui ont, qui ont vacciné sans réfléchir. Euh, parce que je suis en position de pouvoir et je vais utiliser mon pouvoir pour faire du tort à quelqu'un d'autre. Ben, je vais faire exactement comme les autres. Donc l'idée, c'est déjà, je ne suis pas en position de pouvoir et de puissance. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les institutions. Je n'ai, pour le moment, on n'a pas gagné, <laughs> que vous le vouliez ou non. Et donc là, il y a de l'intelligence stratégique, on va dire. C'est-à-dire chercher plutôt la diplomatie. Euh, si vous n'êtes pas capable de tenir le conflit, vous devez chercher la Qu'aujourd'hui, ouais, peut-être que je pourrais mettre un coup de boule demain, à un médecin qui a refusé de de, 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 de soigner euh, un ami, etc. Ok, bon, je vais me retrouver en taule, etc. Je vais me euh, traîner dans la boue médiatiquement. Qu'est-ce que j'aurais gagné, quoi, à part de décrédibiliser toute la résistance, etc. Donc, par contre, qu'est-ce que je peux faire, c'est dire, ok, on est en désaccord, on est en désaccord profond. C'est-à-dire, toi, tu penses que le vaccin sauve des vies, etc. Et que je suis un dangereux irresponsable. Est-ce que tu serais d'accord qu'on en parle, juste ça? Si la est personne n'est pas mal, Et... hein. ça c'est ratifier ça. Parce que si vous n'avez pas ce point d'accroche-là, de on ne peut même pas parler, d'accord Alors attends, ok. Et si vous ne pouvez pas parler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'insister. Ça veut dire qu'il va falloir trouver une autre voie d'entrée pour forcer le dialogue. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en état de dialoguer avec vous, parce qu'ils sont tellement pourris par la peur, ils sont tellement traumatisés par tout ce qui leur est arrivé, que vous aurez beau leur expliquer rationnellement par A plus B, euh, de A jusqu'à Z tous les manquements euh, aux AMM conditionnels, etc., euh, tous les effets secondaires, ils ne les entendront pas. Et ça, c'est mon expérience. Oui. Je discutais avec des médecins en face de moi qui font ⁇ Non, mais ça va, on est passé à autre chose. Ils ne veulent pas entendre. Parce que c'est trop douloureux. ⁇ Et donc là, vous n'avez plus beaucoup oui, de moyens. Des... Bah, il faut faire un procès. Il voilà, faut y aller. Bien. Il faut aller convoquer la discussion d'une autre manière. Et aujourd'hui, vous avez peu de moyens. C'est un procès au pénal et moi je pense qu'on manque de résistants qui font des procès au pénal mettez-vous ensemble, trouvez des avocats mettez du pognon en commun dans un cochon et ensuite, euh, euh, cassez la tirelire et faites un procès à quelqu'un qui soit utile et qui permette de tirer le fil de mettre la discussion sur la place publique, etc parce que devant un juge là, les arguments seront exposés peut-être vous gagnerez pas et peu importe, les arguments ont été posés ils ont été entendus, ils feront leur travail doucement quand vous semez des graines doucement elles finissent par pousser au... quand c'est le bon endroit. Si vous essayez de les semer malgré tout dans le désert tout le temps, euh, en face de vous, vous avez euh, quelqu'un qui est avec son FFP2, qui a peur de tout, qui a sa huitième dose. Bon, ben, ça ne sert à rien, vous, vous prêchez dans le désert. Euh, Après, donc là, vrai que... il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des doutes, des failles, parce que là, ces derniers mois, il y a plein de gens qui ont vu autour d'eux des gens avec des effets secondaires, qui ont vu ouais. que les masques, c'était des conneries, etc., qui en ont marre, en gros, quand en plein le dos. Ouais. Et eux, Peut-être que le dialogue peut commencer à se réouvrir. Si vous êtes violent, si vous êtes dans une position de revancharde qui veut absolument gagner, ils vont refermer la possibilité de dialogue en disant ah, Mais moi, je ne veux pas être ça. Pourquoi est-ce qu'on a des neurones miroirs et que quand on discute avec quelqu'un, au fond, on va faire les mêmes mimiques que lui, on va utiliser les mêmes mots, on va avoir un mimétisme qui se met en place. Euh, on est des êtres mimétiques. Et donc, si vous avez quelqu'un hyper violent en face de vous, en colère, etc., qui veut en découdre, Soit vous, si vous acceptez de discuter avec lui, vous allez vous mettre dans la même position que lui. Et il y a plein de gens qui se protègent eux-mêmes de ça, parce qu'ils n'ont pas envie de vivre ça. Parce que c'est trop violent. Ça va, je ne sais pas si je suis clair. -dire, non, 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 évidemment, il y a des responsabilités. Évidemment, il y a des gens qui sont des salopards, <laughs> évidemment, il y, des, il y a des tricheurs. Mais l'immense majorité des gens ont été globalement euh, instrumentalisés, euh, manipulés, etc. Ça, ça ne leur enlève rien aux responsabilités de leurs actes. Hein. Mais je... vous je... ne je pourrez je pas les mettre en vieux, face ouais. de leurs responsabilités. Je comprends tout à fait parce que dans d'autres interviews, c'est ce que vous disiez également, et, et c'est cette capacité aussi de, j'allais dire, de résilience, en tout cas de bienveillance, etc., qui, pour ma part, moi, me manque aussi parce que, et je vais vous dire pourquoi honnêtement, les auditeurs, pour ceux qui me suivent, le savent. Moi, j'ai revécu quand il euh, y a eu cette période de Covid ce que j'ai vécu à l'école sur le harcèlement. Donc déjà, j'ai un passif en tant qu'élève avec euh, les insultes, les moqueries, etc. Et euh, quand j'ai vécu la période du passe sanitaire, passe vaccinal, euh, le fait de se sentir comme un pestiféré parce qu'on refuse une injection, on refuse d'être un cobaye en réalité. Et euh, on sait que, et justement c'est pour ça qu'on a discuté de tous ces événements, de toutes ces théories, etc., parce que moi j'ai eu pas mal d'informations, de, de révélations, lanceurs d'alerte et autres, et je me suis dit je ne peux pas aller entre guillemets au casse pipe en sachant ce que je sais, ou alors je suis suicidaire et euh, on me dit euh, oui mais un vaccin c'est juste une piqûre ça va, ça passe etc j'ai dit non, c'est pas un vrai vaccin j'ai essayé de démontrer par A plus B d'expliquer, mais le problème c'est que parfois les gens fermaient en disant complotisme extrême droite parce que c'est ce que vous avez subi aussi euh, de votre côté notamment avec le film parce que j'ai vu que notamment dans euh, Dans l'heure vous avez eu euh, comment dire des, des soucis avec le film Tous résistants dans l'âme parce que euh, comment dire, c'était jugé par certains d'extrême droite, etc. Donc on a tous eu notre lot d'insultes et compagnie. Après, en parallèle, et je vous rejoins là-dessus, euh, il y a eu beaucoup d'éveils, de, de, beaucoup de gens qui euh, ont créé des structures. Je pense au syndicat Liberté-Santé, qui est une, un bon organisme et qui fait beaucoup euh, pour les suspendus, pour les effets secondaires, etc. Déjà, il y a liberté et il y a santé. La liberté de prescription, c'est déjà énorme. Et puis, euh, il y a aussi le comité scientifique indépendant, euh, dont le conseil scientifique indépendant dont vous faites partie. Est-ce que vous pourriez nous en, nous en dire quelques mots de ce conseil scientifique oui, alors ça fait partie de ce que j'appelle les institutions désirables. C'est-à-dire, euh, on peut critiquer le système, mais il faut proposer autre chose. Parce que si vous êtes juste là pour défoncer tout ce qui existe, euh, les gens vont s'accrocher encore plus fort à ce qui reste. Euh, vous prenez des personnes un peu âgées, par exemple. Euh, vous voulez remettre en cause la Cinquième République euh, Attendez, le président de la République, quand même, c'est un peu sacré pour eux. Ça rappelle le général de Gaulle, euh, voilà. Et donc, ils vont, pré si vous vous proposez pas autre chose ils ne vont pas vouloir venir avec vous. Parce que c'est trop dangereux. C'est comme si vous aviez un bateau en train de se fracasser sur les rochers, et euh, qui est notre société en gros. Hein. C'est ce, ce qui se passe de manière très pratique. Et puis vous, vous savez, sauter à l'eau en disant, bon, ouais, ça va, ça pue, quoi. De euh, toute manière, ça de s'effondrer. Et depuis la mer échevelée au milieu des crêtes des vagues, etc., vous dites au gars qui est encore accroché au mât, bah, viens avec moi, viens avec moi, reste pas là, tu vas finir par sombrer. Il va dire « Non, mais il est fou, lui, il est dans l'eau euh, jusqu'au cou. Euh, » Donc, il y a besoin de construire des radeaux de sauvetage. Parce que depuis votre radeau de sauvetage, si là vous dites au gars « Lâche ton mât, de toute manière, il est cassé, ça sert à rien, tu es en train de tenir un bout de bois. Euh, viens avec nous, tu vas voir, on va essayer d'accoster de, 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 sur une terre plus, plus accueillante et de passer à travers l'orage. » Là, c'est intéressant. Et donc, tout ce qu'on a fait, c'est d'essayer de créer des institutions désirables. Et c'est pas facile, hein, parce que refaire des institutions quand les institutions meurent, ça veut dire recréer des modèles organisationnels, réfléchir aux interactions de pouvoir, aux problèmes de pognon, aux problèmes d'organisation, etc. Et pour la question scientifique, on a dit bon ben et médical, on a dit nous, on va essayer de faire une structure d'information grand public, de vulgarisation scientifique quelque part, et donc on va le faire de manière bénévole il euh, y aura personne qui sera rémunéré aura, on prendra que des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique les assurances l'industrie du numérique ou l'état on prendra personne qui a un engagement politicien c'est à dire tous des gens qui seraient euh, dans un dans un parti politique etc ne peuvent pas prétendre à être dans le conseil scientifique indépendant on va jamais se prévaloir de faire partie du conseil scientifique indépendant c'est à dire on va dire non je suis contributeur au, au conseil scientifique indépendant et donc tous les gens qui sont venus sont contributeurs alors on est contributeurs tous différemment il y en a qui participent à l'organisation de fonds d'autres euh, qui, qui viennent présenter des choses au niveau scientifique. Et l'idée était de créer une agora, une porte ouverte pour que tous les scientifiques qui veulent, même si on n'est pas d'accord, puissent venir. Vous savez, sur cette question de est-ce que Spike est une arme biologique, par exemple, il y a beaucoup de remous et de dissensus dans, la, dans notre communauté même. Et tant mieux, c'est sain. Et moi, j'admire beaucoup le travail euh, de euh, Tiffen Pinsol, de Anise. Euh, oui. Excusez-moi, je qui font il y a... beaucoup beaucoup de choses. Et, et mais voilà, il y en a d'autres qui sont pas tout à fait d'accord avec l'idée d'une arme, euh, etc. De, et tant mieux, c'est bien. Ça, ça pousse aux questions, ça, porse, à, oui, ça force à, à, à aller plus fort sur, pour argumenter, etc. Et tant que c'est fait en bienveillance, que ok, on n'est pas d'accord, mais on arrive à se parler, on a, et puis on cherche globalement le même but, que les gens soient renseignés, et puis qu'ils se traitent bien sur ces histoires de, de Covid, et qu'ils qu prennent soin d'eux-mêmes, quoi, qu'ils fassent de la prévention, qu'ils se traitent quand c'est utile, etc. Mais qui rentrent pas dans le grand délire de la peur, bon bah tout va bien. Donc le conseil scientifique indépendant, c'est ça. Euh, c'est cette structure. Et Aujourd'hui, on fait des émissions tous les jeudis soirs. Il euh, y a des articles qui paraissent, en gros un par semaine ou un toutes les deux semaines ou deux. Ça dépend un peu de la, de la niaque de tout le monde. Tout le monde est bénévole avec d'autres vies à côté, euh, mais qui sont très bien faits. Et que vous pouvez retrouver sur le site du conseil scientifique indépendant.org, un truc comme ça. Et voilà. Et c'est un rendez-vous maintenant et... qui est devenu un peu incontournable et où on a essayé d'avoir une parole mesurée. C'est-à-dire de jamais partir dans l'invective, c'est la faute de Véran, etc. Ça, c'est comme une espèce de discipline sur notre parole. Chaque fois que vous critiquez quelqu'un nommément, ça va vous revenir dans la gueule. Voilà, euh, c'est comme ça. Ah, oui. Donc, en gros, dans une parole publique, on fait ce qu'on veut après euh, deux de verres de rouge euh, au bar. Hein, on, peut, on peut dire euh, Macron, machin. Mais, euh, mais quand on est dans une parole publique, là, on va essayer de respecter tout le monde, parce qu'en en miroir, on, on obtiendra du respect. Et le jour où on obtiendra de la discussion, là, personne pourra dire ouais, vous avez dit que c'était des enfoirés, etc. Non, non, non. Nous, on a dit, voilà, c'était le président, il y a eu un manquement dans ses fonctions, c'était le ministre de, de la Santé, il y a eu un manquement dans ses fonctions, la personne elle-même, on ne la juge pas, on ne la connaît pas, euh, et on est ouvert à, à rediscuter avec elle. Et donc ça, cette posture-là, elle est douloureuse pour certains, parce qu'il y en a qui sont tellement en colère qu'ils voudraient aller défoncer euh, les, les gens qui leur ont fait du mal. Sauf qu'encore une fois, vous n'êtes pas en position de force. Et ça, c'est dans le Sun Tzu, l'art de la guerre, hein. c'est le premier chapitre. Premier chapitre, c'est vous faites le compte. Combien de généraux Combien d'armes, quelle qualité technique, quelle organisation de l'armée, est-ce que la doctrine que vous défendez est bien, etc. Puis vous faites vous comparer entre les deux armées et vous savez déjà qui a gagné. Vous n'avez même pas besoin de faire le combat. Là, vous prenez des multinationales surorganisées avec une armée de fact-checkers, tous les médias de grand chemin à leur service, l'ensemble du système institutionnel, législatif, judiciaire euh, et policier à son service versus quelques groupes de babos euh, ou <laughs> euh, alternatifs. Vous savez déjà qui a gagné. Il n'y a, a pas photo. Et donc, la voie militaire, la voie du conflit ouvert, de la guerre, n'est pas euh, possible. Vous ne pouvez <laughs> pas prendre cette voie-là. Voilà, donc... la, guerre, la guerre qui nous est menée aussi, Louis, euh, depuis trois ans, donc on en parlait même avant le Covid, c'est la guerre médiatique. Alors vous parliez de ma chaîne YouTube, à la base, moi je l'ai créée pour parler du harcèlement scolaire, et c'est vrai que les émissions sont venues naturellement par la suite, mais euh, je m'aperçois aussi de l'émergence des médias indépendants, et je pense que la bascule, elle se fait là aussi, c'est-à-dire qu'en fait au-delà des euh, fact-checkers qui sont une forme de, de nouvelle mode depuis trois ans, parce que même à l'époque des Gilets jaunes, ça émergeait un petit peu, mais c'était euh, une forme de stratégie de propagande nou nouvelle. Euh, Peut-être que déjà, la, la première solution, parce que les, les auditeurs, comme beaucoup de Français, nous disent oui, mais alors on fait quoi Déjà, la première chose, c'est de se réinformer. Et se réinformer, c'est déjà mettre la télé de côté moi j'ai plus de télé je suis comme vous depuis quelques années pourtant je suis un enfant de la télé j'ai été accro aux séries etc dans ma jeunesse et puis il y a eu un moment j'ai eu une sorte d'overdose comme s'il fallait vomir tout ce qu'on avait ingurgité quand j'étais quand j'étais ado j'écoutais BFM en boucle LCI etc j'ai même eu l'occasion de faire une interview pour BFM j'ai pas aimé du tout j'ai pas aimé l'atmosphère j'ai pas aimé c'était anxiogène c'était dans une tour de verre et je me suis rendu compte, en plus, que les journalistes et les politiques étaient tous de mèche, ils étaient tous limite potes en coulisses, et ça ne m'a pas plu. Et je me suis dit, avec la période Covid, euh, j'ai vu des médias, bah, j'ai envie de saluer Sud Radio avec Bercoff notamment, ou encore Blast, ou encore TV Liberté. Là, Clément Soudiakova vient de créer Toxin. Euh, on est de plus en plus nombreux à créer des alternatives, comme vous avec euh, notamment euh, donc le CSI ou euh, avec le syndicat Liberté Santé. Et euh, pour, pour, pour prendre une note positive, moi, je remercie le Covid déjà de nous avoir permis cette rencontre, de m'avoir permis de vous connaître, Louis, que ce soit le professeur Perron, Martine Vonner, que ce soit le euh, professeur Raoult euh, et d'autres, parce que vous avez fait partie de ces personnes-là qui ont su aussi remettre les choses à leur place en disant, écoutez, il faut arrêter la peur et ça va être l'objet aussi de notre question suivante sur votre ouvrage, Traverser la peur, parce qu'en fait, la peur fait faire des choses terribles et on l'a vu pendant la période de Covid, euh, des gens qui ont complètement pété euh, les plombs. Alors, j'ai envie d'avoir une pensée pour tous ceux qui se sont suicidés durant, durant cette période, suite à, au confinement, à l'isolement, quand ils n'ont pas perdu leur travail, quand euh, ils ne se sont pas euh, totalement euh, émancipés de leur famille, qui a brisé le lien parce que pas vacciné, t'as pas le droit de venir. Euh, moi, j'ai eu même des, des gens que je pensais être des amis qui m'ont dit, moi, je ne reçois pas les non-vaccinés chez moi. Eh ben, j'ai coupé le lien. Et je me suis dit, à un moment, il y a un karma, il y a peut-être une justice divine. La justice tout court, bon, moi, personnellement, j'y crois pas trop, mais admettons qu'il y a des cas qui commencent à émerger. Il y a eu, des, par exemple, des soignants, je crois, en EHPAD qui ont eu gain de cause par rapport à leur suspension. On a eu euh, des, des gens qui euh, se sont révélés durant cette crise sanitaire, tout en ayant des masques qui sont tombés. Et euh, justement, euh, votre livre « Traverser la peur euh, », est-ce qu'il parle un petit peu de toute cette période-là Est-ce qu'il donne des solutions sur la manière d'affronter cette peur qui finalement, même quand on est entre guillemets résistant, peut nous arriver euh, tout un chacun, que ce soit au quotidien de notre famille ou quoi que ce soit avec le regard des autres. Euh, oui, on, ça parle ça parle beaucoup de la, la question de la peur et autour de ces dernières années et comment elle a été instrumentalisée pour être un outil de pouvoir. C'est-à-dire que dès que vous faites peur à quelqu'un, vous prenez le pouvoir sur lui, vous êtes capable de lui dire ce qu'il doit faire et de m, détruire ses ritualisations et ses figures d'attachement habituelles euh, pour en imposer d'autres. C'est un peu la stratégie du choc de Naomi Klein, quoi. Vous détruisez Exactement. ce qui était structuré avant, et derrière, bah ouais, vous pouvez amener votre solution. Quoi. Donc là, on en a même réussi euh, euh, à vous faire croire que se dire bonjour c'était dangereux. Euh, que serrer la louche, etc. C'est très profond, hein. ça c'est quand même un des trucs de la rencontre profonde entre les humains. Maintenant, les gens se donnent un coup de poing pour se dire bonjour, c'est très particulier. Et on a réussi à réformer ça en, en un an, alors que normalement c'est le fruit d'années et d'années de, de vie ensemble, collective, euh, dans une société. Donc ça c'est quelque chose dont il faut prendre la mesure, c'est-à-dire que par la peur, vous êtes capable de hacker un humain. Euh, et par la violence. Si vous transgressez tout, que vous respectez rien, que vous lui tapez dessus, etc., vous arrivez, euh, si vous le torturez, vous arriverez à le, à le faire dire ce que vous voulez. Vous savez, c'est toutes ces histoires de torture dans les, dans les camps militaires, etc., ou en période de guerre. et on est dans une sorte de torture mentale réitérée, permanente, euh, de, basée sur la peur et une scansion de la peur permanente. Il enfin, fallait que vous ayez peur des méchants salafistes après euh, le World Trade Center. Ça a justifié la mise en place du Patriot Act et de caméras partout qui fait. font qu'aujourd'hui vous êtes fichés, tracés, il y a de la biométrie sur votre passeport, etc. Oui, euh, C'est pour Julien Assange, au passage. Voilà, exactement. Est euh, qui, est, qui est très particulier. La peur a justifié ensuite euh, une société finalement de surveillance de tous les côtés où les gens se méfient les uns des autres et on arrive à dresser certaines communautés contre d'autres euh, comme si euh, en oubliant euh, qui est le puppet master au-dessus quoi vous savez il y a ces expériences où on prend un bocal rempli de fourmis il y a des fourmis rouges d'un côté des fourmis noires de l'autre bon elles vivent en bonne intelligence tout le monde fait son business comme il a envie etc et puis euh, si vous secouez le bocal comme ça elles restent un peu euh, euh, étonnées pendant quelques minutes puis elles reprennent leur activité puis si vous secouez encore le bocal comme un malade elles finissent par se taper dessus et elles se battent parce qu'il voilà, y a une autre expérience qui est intéressante, sur des rats qui reçoivent des, des, des chocs électriques comme ça, euh, quand vous enfermez des rats dans une cage, et que vous leur mettez des chocs électriques impromptus, il n'y a aucune raison, hein, ils n'appuient pas sur une pédale, il ne se passe rien, c'est d'un coup, ils se prennent un coup de gégène, au bout d'un moment, ceux qui finissent par s'en prendre trop, ils, ils se mettent dans un coin et ils meurent, Mais y en a, et ceux qui survivent, qu'est-ce qu'ils font Ils se jettent sur les autres rats, et ils se mettent à les mordre et à les agresser, et c'est ceux-là qui survivent, en gros, c'est un réflexe naturel de se liguer les uns contre les autres. Alors bien sûr, on n'est pas des rats, on n'est pas des fourmis. Hein. On espère qu'on soit un oui, peu Pas sûr, sûr qu'on soit plus des fourmis, mais bon. Et, et, et donc, l'ensemble le, de, de secouer le bocal, de nous faire perdre nos repères, c'est justement pour nous liguer les uns contre les autres et nous faire oublier qu'il y a quelqu'un qui secoue le bocal. Donc, un des enjeux pour tenir c'est de restructurer des institutions désirables comme le conseil scientifique indépendant, comme le syndicat liberté santé, comme des médias alternatifs qui essayent de dire le vrai ou en tout cas qui mentent pas sur leurs opinions etc, qui vraiment essayent de faire le travail de faire des écoles pour que nos enfants soient éduqués correctement et qu'on arrête de leur faire du mal à l'école ou de leur laver le cerveau pour qu'ils deviennent nuages ou je sais pas quoi voilà, xénogènes et enfin voilà, donc il y a des enjeux immédiats c'est-à-dire, vous battre contre Bill Gates, vous n'y arriverez pas. Il est au-dessus du bocal, il secoue. Vous battre contre George Soros, vous n'y arriverez pas. Ou alors, vous faites comme, j ai, j ai, euh, comme Kennedy Junior. C'est-à-dire, lui, bah, il a de la famille, il a de l'argent, il, il est intelligent, etc. Il a mis en place. C'est un héros des temps modernes. Vous m'avez demandé tout à l'heure un peu mon avis. Moi, je pense que c'est un héros. Parce que bien avant le Covid, il avait fait énormément de choses déjà. Il a gagné des procès qui ne pouvaient pas être gagnés normalement. Et donc, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement déterminé et qui, en plus, a pas peur. Et euh, parce que effectivement, vous dites, euh, il va finir assassiné, quoi, hein, euh, comme son oncle, etc. Et, ok, on, on bah, il nécessite des soutiens, etc. Et là-dedans, bah, on a chacun notre rôle à jouer. Il y a des gens, ils vont faire effectivement l'ONG qui va faire ensuite, euh, qui va recruter des avocats et qui va défoncer Soros, etc. Si c'est votre chemin, faites-le, faites-le, allez-y. Arrêtez de vous plaindre. On a tous compris. Euh, qui était Soros Qui était Bill Gates Qui étaient ces gens-là euh, Donc maintenant, on arrête de, de tergiverser, de discuter. On fait. Et ça, je pense que c'est un des gros remèdes à la peur, c'est de faire. À partir du moment où nous, on a commencé à faire Info Covid, on a arrêté de paniquer. On était pris dans le fait de, de construire ensemble, de serrer les coudes, de faire des zooms le soir, de produire des articles, de faire les émissions, de comprendre comment ça marchait. Au départ, moi, j'étais pas youtubeur, Je hein. <laughs> savais rien de tout ça. C'était pas mon, mon métier. quoi Et, euh, et ben, il a fallu apprendre sur le tas. Et là, vous vous rendez compte que dès que vous agissez, vous êtes obligé d'apprendre. Et vous êtes obligé de vous mettre en lien avec d'autres. Et ça, c'est la vraie clé. C'est qu'en gros, le totalitarisme, il n'existe que si on est séparé les uns des autres. Euh, c'est Anna Arendt qui le dit, hein, mais c'est une évidence. Quoi. Il faut nous séparer par des masques, par d'autres trucs, etc. Il faut atomiser l'individu. À partir du moment où il est atomisé, vous avez le pouvoir sur lui. Dès que vous recréez du lien avec les gens, vous luttez contre le totalitarisme. Ça veut dire que quand vous invitez votre beau-frère provax euh, qui regarde BFM etc et que vous débouchez une bouteille avec lui, vous êtes en train de lutter contre le totalitarisme. Ça ne veut pas <laughs> dire que vous êtes d'accord avec lui, ça ne veut pas non, dire que vous allez le convaincre. Ça veut dire que bah déjà, si un jour il doit vous dénoncer parce que vous avez fait un faux etc, il le fera pas. Et, et voilà, ça c'est le plus important. Et on a tous un endroit où on peut on peut agir et il faut le trouver parce que le monde numérique au fond nous rend impuissants de manière systématique. Vous pouvez gueuler tout ce que vous voulez sur Twitter. En gros, ça sert à rien. Vous êtes en train de gueuler dans, un, dans une boîte vide. Par contre, réunir des gens sur Twitter, les faire bosser ensemble, les faire produire des articles, les, euh, financer des projets d'école, financer des projets de rachat de terre, financer des monnaies alternatives, financer euh, du, du soin autrement, euh, l'installation d'un généraliste dans le coin, etc. Ça, c'est juste. Mais ça, ça empêche le totalitarisme. Et quel que soit ce que voudra faire Amazon, Jeff Bezos ou je ne sais pas qui, en gros, vous êtes en train de le mettre dans le rouge, il n'y arrivera pas. Et donc, ça, il faut comprendre à quel point on est puissant dès qu'on se met en lien avec les autres et à quel point on, on, on sort de la peur. Alors justement, ça me fait penser à plusieurs choses à la fois. Donc, je vais essayer d'être euh, synthétique. Euh, parce que vous parliez du totalitarisme à la Et c'est vrai que souvent, vous aviez cité dans vos, dans vos interviews ce fameux conducteur de train. Euh, qui, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, a mené les trains, euh, euh, comment dire, jusqu'au camp de concentration en disant bah, j'ai juste fait re que respecter euh, l'heure d'arrivée. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette anecdote Ouais, c'est pas qu'une anecdote, c'est un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem oui. euh, qui est écrit par Anna Arendt et Arendt. Anna Arendt ça reste un des penseurs phares du totalitarisme euh, à l'aune de, de ce qui s'était passé entre 39 et 45 et, euh, et même dans les années 30 et ça, c'est la première chose que je pourrais vous dire c'est les gens qui produisent un discours ne, le, ne produisent un discours de qualité que quand il est référé à du vécu, à de l'enquête de terrain. Vous pouvez parler du harcèlement parce que vous l'avez vécu euh, si vous étiez un théoricien du harcèlement dans un ministère, etc., vous diriez que de la merde euh, parce que euh, vous ne l'avez pas vécu. Euh, là, c'est pareil. Anna Arendt a vécu le totalitarisme. Elle sait ce que c'est euh, et elle peut en témoigner et ensuite faire un discours. Il y a beaucoup de gens qui. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthodologie de l'enquête. L'enquête, c'est quoi C'est vous partez d'un petit truc. Pourquoi à Grenoble, il y a ST Microelectronics C'est quoi ce truc C'est quoi cette entreprise Je vous donne un exemple. Hein. Euh, c'est une entreprise qui fait des nanopuces. Ah bon <coughs> Et tiens, c'est bizarre, dans ses comptes, elle reçoit 5 milliards par l'État tous les ans, tous les, tous les 5 ans, qui rallonge la sauce. Elle n'est pas rentable. Mais et elle pousse comme un champignon, il y a d'autres sites, etc. Puis elle prend l'ensemble de la flotte du Grésivaudan, Ce qui fait qu'il n'y a plus de flotte pour les agriculteurs qui se plaignent qu'il n'y a plus de flotte. Euh, parce qu'elle est prise par euh, les nanopuces. Ça, c'est de l'enquête. Vous partez du terrain et après vous essayez de comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'on veut favoriser autant le nanomonde pourquoi est-ce qu'on veut favoriser autant euh, le, le, les nanotechnologies, etc., au détriment de l'alimentation et de l'agriculture. Euh, et, et là, vous pouvez produire un discours théorique dessus, euh, plus vaste, qui sera peut-être faux. Mais vous êtes parti de quelque chose de vrai. C'est pareil sur la Réa. Moi, j'ai parlé du Covid parce que j'avais été en contact en réanimation avec les patients Covid. Et donc je savais ce que c'était, un patient Covid de Réa, j'en ai soigné plein. Euh, je savais que ce n'était pas très grave, que, enfin voilà, évidemment, il y a des gens qui sont morts, c'est très sombre et très triste, et voilà, il y, y a toutes, euh, toutes mes... Euh, Les pensez à ceux qui ont perdu des gens. et, et Il ne s'agit pas de minimiser la gravité du Covid. Il s'agit de dire globalement, on aurait pu le faire autrement et avoir des bien meilleurs résultats. Et, euh, et et, avec la grippe, et, on avait déjà beaucoup de problèmes. Voilà, exactement. Euh, tout ça pour dire que si vous êtes attaché au réel, euh, vous, vous arrivez à produire un discours ensuite sur ce réel qui permet de mieux le comprendre. Si vous êtes déjà dans une bulle, une montgolfière qui flotte au-dessus du monde, puis vous essayez de comprendre, ce ne sera, sera pas ajusté. Et Anna Arendt, elle écrit dans « Eichmann à Jérusalem », elle fait le récit du procès de Adolf Eichmann. C'est qui ce gars-là C'est quoi ce procès C'est un dignitaire nazi, donc en charge de la logistique des trains qui vont dans les camps de la mort. Et euh, qui s'enfuit, euh, qui est gentiment exfiltré vers l'Amérique du Sud euh, après le après euh, 45, et qui, comme beaucoup de nazis, se retrouve au fin fond de l'Amérique du Sud. Sauf que Tzahal, l'armée israélienne, vient le chercher et le rapte, alors, on peut discuter le procédé, hein, mais ils viennent le rapter euh, en Amérique du Sud et le ramènent euh, à Jérusalem pour qu'il fasse son, pour faire son procès. Et ce procès de manière étonnante est public. C'est un procès de l'État israélien contre Adolf Eichmann, euh, pénal, qui va, qui pour euh, voilà crime contre l'humanité, etc. Et, euh, et ça se veut un procès exemplaire. Alors que normalement, c'est des choses qui se font à huis clos. Là, il y a les caméras, il y a les journalistes, il y a les philosophes, il y a les sociologues, euh, il, y a, il y a tout le gratin, etc., qui vient, en gros, euh, regarder, parce qu'il s'agit de faire le procès du nazisme. En gros, c'est même pas Adolf Eichmann le problème. Et donc, il s'agit de montrer que le nazisme, c'est le mal. Sauf que, dans les auditions, euh, Anna Rent relate que c'est compliqué, parce que le gars, il, bon, c'est un abruti, euh, il est déplaisant, etc. Mais au fond, euh, pff, lui, il passe son temps à dire, euh, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Hein. En gros, on me demandait d'amener les trains. Moi, je voulais juste que les trains arrivent à l'heure. J'avais pas donc, le choix. Je arriver les trains à l'heure. J'avais pas le choix. Je pouvais pas faire arriver. autrement. Voilà. Et, et je respectais les, les, le, le protocole de notre organisation. Ça, c'est ce que Anna Arendt Rent avait appelé aussi armsprache euh, ». Je prononce mal. Hein, je ne suis pas germanophone, mais euh, ça veut dire euh, ah. euh, le langage du bureau, euh, le langage bureaucratique, technocratique. Et donc, dans tous les moments totalitaires, il y a un langage technocratique, il y a un détournement du langage. Et le livre de Vincent Pavan et Ariane Dillerand, euh, le, le débat interdit, là-dessus est très enfin, intéressant. Enfin, J'ai justement. Enfin, voilà, J'ai eu la chance d'en faire un avant-propos. Mais ça, 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 vous, ça vous aide à comprendre que cette modification du langage qui a lieu dans tous les systèmes totalitaires. Et là, on a modifié le langage aussi dans ces dernières années. Et Anna Arendt, elle a ces mots sur, Anna, sur Eichmann, parce que les juges sont un peu médusés. Ils disent bon, bah, le gars, il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Quoi. Et elle dit euh, ben. Bah, elle parle de l'extraordinaire banalité du mal. Et ça, c'est une déflagration dans l'histoire de la pensée euh, sur, le, sur le politique, hein, de la philosophie politique et de la philosophie morale. C'est de découvrir que le mal, en fait, est là, à tous les coins de rue, dès que euh, je laisse faire, dès que euh, je, je dis ou je donne mon consentement, mollement, etc. Euh, et que, voilà, donc ça, c'est assez sombre hein, comme vision du monde. Mais Moi, ça pourrait être la aujourd'hui, hein voilà, je suis persuadé qu'il y a une extraordinaire banalité du bien aussi. Euh, et, et ça, c'est oui, rassurant. C'est du monde. Et, et donc, il y a eu aussi des résistants euh, en 39 45 Il y a des résistants là sur ce qui nous est arrivé. Euh, voilà, on, on va garder les proportions hein, dans la comparaison, évidemment, ce n'est pas, pas la même chose. Mais globalement, ce qui nous est arrivé, là, nous sommes dans un déferlement totalitaire. Et il faut être au clair avec ça. Vague après vague, on est en train de vous enlever vos libertés. Vague après vague, la matrice est en train de rentrer en vous de tous les côtés. Votre monnaie, votre identité, vos enfants, votre maison, votre compteur Linky, etc. Petit à petit, le système économique est en train de rentrer par tous les ports de votre peau, jusque dans votre peau, Bien sûr. Euh, euh, à par l'injection expérimentale. Et donc, Ça, là, il y a, y, a, y, a, voilà, y, a, y a vraiment comme un viol, en fait, euh, de sûr. votre intimité. Et le totalitarisme déteste l'intime. Je fait un texte là-dessus pour le banquet euh, qui est euh, oui, fait par Rémi du juste, juste milieu. milieu. J'ai eu la chance bon, mieux, euh, de pouvoir y participer. Et, et qui l'idée que l'intimité est extrêmement importante pour se protéger du totalitarisme. L'intimité, c'est quoi C'est je ne vais pas vous raconter la vie de ma famille ici aujourd'hui. Ça, c est, c est, je garde ça pour moi. C'est à moi. Je, j'ai pas envie de le partager. Euh, je, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent. Ils confondent les réseaux sociaux et la sphère intime. Ils conf... Mais l'intime, c'est votre secret. C'est à vous. C'est, c'est, c'est protégé. C'est, c'est, et nous devons garder ça. Parce que le totalitarisme, lui, veut que tout soit transparent. Il veut mettre un panopticon. Le panopticon, c'est un concept qui a été développé par Jeremy Bentham, qui est un penseur de l'utilitarisme au XVIIIe siècle, et qui décrit un lieu où il y aurait un gardien au milieu, et puis des gens dans une pièce, dans une sorte de maison. quoi. Mais le gardien, il verrait tout le monde tout le temps. Parce que les murs seraient en verre, parce que l'architecture serait faite de telle façon qu'on voit tout le monde tout le temps. Et le gardien lui-même, il serait surveillé, mais il ne sait pas quand, ni pourquoi. Et donc, il vit un peu dans le stress tout le temps d'être surveillé. Et ce Panopticon, pour Jérémy Bentham, c'est la meilleure des prisons. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va consacrer toute sa fortune personnelle à faire bâtir des Panopticons comme des prisons. Effectivement, ça va, ça va être le modèle de la prison. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, elles sont panoptiques. Hein. Euh, et panopticon, ça veut dire quoi Voir tout. Quand on voit tout, quand on sait tout de vous, quand toutes vos données sont données systématiquement chaque fois que vous achetez sur un truc sur Internet, votre numéro de téléphone, votre, votre adresse, que etc. Ouais. Vous, vous n'avez plus que, que c'est une monnaie, qu'on sait combien a été débité sur votre compte, que l'État sait lui-même combien va être débité sur votre compte. Vous êtes dans le panoptique. Et là, vous n'avez plus aucune liberté. Et donc, un très grand travail à faire sur le, la lutte contre le totalitarisme, c'est recréer du secret. Que vos communications soient discrètes, soient cryptées, que vous ayez des zones de repli, etc. Euh, et bon, voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, euh, parce que l'intime est la condition de la fécondité. Comment qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de dire L'intime, c'est le repli à la surface de la terre. Vous savez, c'est un truc qu'on voit pas. C'est une caverne, c'est un, un terrier, euh, un endroit où vous pouvez-vous replier. Et si vous mettez une graine posée sur le désert, elle pousse pas. Il y a le soleil, il y a le vent, il y a le sable, il y a la chaleur, etc. Elle va jamais pousser. Elle a besoin d'avoir un petit repli dans lequel elle va pouvoir être tranquille, peinard. Et ensuite, elle va d'abord faire une racine et un, un radicule. Et ensuite, un plantule. Et elle va aller voir dehors ce qui se passe. Et elle va faire les deux en même temps. Elle va aller en profondeur et voir à l'extérieur. C'est pareil pour nous. C'est Si vous voulez avoir le courage de résister, vous devez avoir des zones de repli à vous et d'intimité. Euh, et vous donc. Peut-être. La fabrique du crétin digital, ouais, ouais, de Desmurgés. Ouais, ouais j'ai eu la chance voilà. de pouvoir faire une, une conférence sur le sujet. Euh, mais tout ça pour vous dire que pour tous ceux qui sont très en colère, qui voudraient en découdre, est-ce que vous avez déjà fait un radicule Est-ce que vous avez créé une zone d'intime où vous pouvez vous replier est-ce que vous pouvez être discret ou secret Est-ce que vous avez regroupé des gens avec vous où vous allez pouvoir agir ensemble Parce que dès que vous allez être nombreux, bah, imaginez, vous êtes tout seul et ou tout seul, vous allez voir le directeur d'école. Il ne passe rien, hein il s'en fout le directeur d'école. Il y a encore un oui, emmerdeur, père de famille, machin. Maintenant, vous arrivez à 10 parents d'élèves. C'est pas la même. Hein Maintenant, vous arrivez à 10 parents d'élèves et vous êtes une assos en charge de défendre avec parents en colère, avec les mamans loups, avec les papas loups, en charge de défendre euh, les enfants. Attends, c'est quoi ce truc-là euh, et euh, ensuite, imaginez. Enfin, bref, euh, tout ça. Que, avant de vouloir défoncer le système, vous devez être plus fort sur vos pattes. Euh, vous ne pouvez pas allonger une droite à Mac Tyson si vous n'avez pas commencé à bosser un peu avant à l'entraînement, quoi. Sinon, vous allez vous faire allonger. Oui, directement quoi donc là aujourd'hui vous avez un très gros Mac Tyson devant vous donc il va falloir beaucoup s'entraîner et le travail il est plutôt intime est-ce qu'on n'est pas déjà en train de s'engueuler entre résistants est-ce qu'il n'y euh, a pas déjà tout le monde qui se tire dans les pattes parce qu'il veut du pouvoir de l'argent euh, de parce que son ego parle parce qu'on n'est pas d'accord etc ou parce qu'il a peur ou parce qu'il est en colère si <laughs> ceux qui veulent euh, euh, gueuler contre le graphène ceux qui veulent dire il n'y a pas de virus ceux qui veulent dire euh, machin Ouf. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que, étant sur Twitter, depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, donc c'était en décembre dernier, euh, je, des fois j'assiste à des euh, presque des combats de boxe sur Twitter. Alors, quand ce n'est pas entre les politiciens euh, qui se font la guerre, alors que et, et je pense que c'est le gros problème aujourd'hui des réseaux sociaux, notamment Twitter, euh, au delà de la censure, c'est que en fait, les, je pense que ces personnalités là ne se rendent même plus compte. Que, en fait, il s'expose comme ça, il s'humilie presque publiquement à se comment dire, à se disputer comme des gamins de cours d'école. Euh, moi, quand je vois ça, alors moi, il m'est arrivé de, de m'engueuler avec des lecteurs ou quoi que ce soit. Je le fais souvent en privé parce que je n'ai pas envie d'exposer de, certaines choses. Puis, il y a des choses qui doivent rester privées. Encore une fois, le côté secret, euh, moi, c'est pareil. J'ai toujours eu un principe euh, quand j'ai commencé ma carrière littéraire, c'était de ne pas parler de ma vie privée et de ne pas parler de politique. Le Covid a fait qu'on a parlé de politique un peu politicienne, mais plutôt sanitaire. Après, je n'ai jamais dit pour qui je votais, parce que, encore une fois, le secret, c'est l'isoloir, notamment. Mais euh, ce, qui, ce qui est assez incroyable, quand même, c'est de voir que euh, bah, dans la résistance, mais j'allais dire, ça existe de tout temps. Hein, quand il y a eu des résistants pendant la guerre, il y avait aussi des conflits. Euh, Jean Moulin, il n'avait pas que des copains. Mais euh, on voit que parfois, c'est aussi une question d'ego. Et c'est ça, la problématique c'est que des fois, derrière certains pseudo-résistants, se cache le, le côté lucratif, le côté, euh, bah, j'ai un intérêt euh, euh, comment dire, de notoriété à avoir, etc. Et ça, ça pollue, mais je pense que les gens s'en rendent compte assez rapidement, parfois pas, parfois ils s'en rendent compte. Et comme vous parliez des enfants, j'aimerais avoir votre, votre point de vue. Sur, euh, bah sur l'instruction en famille, parce que c'est quelque chose qui s'est euh, beaucoup démocratisé avec euh, la période sanitaire. Quand il y a eu les confinements, et là je salue tous les enseignants qui euh, ont dû euh, se retrousser les manches durant la période des confinements parce qu'ils n'ont pas été beaucoup aidés par l'éducation nationale, euh, surtout quand euh, un certain ministre partait à Ibiza au moment de la rentrée scolaire, c'était un peu compliqué pour organiser les programmes. Mais. Euh, Comment dire, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette méthode d'instruction en famille Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ça va avoir de plus en plus lieu Moi, je connais pas mal de gens qui font ça maintenant. J'ai même fait des émissions avec eux. Et on s'aperçoit que comme l'école est devenue un terreau de propagande euh, politicien, parce qu'on fait de la politique à l'école de manière outrancière, sans compter euh, la propagande euh, euh, sexuelle, etc., ou climatique, euh, déjà, est-ce que nos enfants, aujourd'hui, peuvent s'émanciper de l'école avec cette instruction en famille Alors, Le premier constat, c'est que l'école aujourd'hui est devenue extrêmement toxique à de, très nombreux écarts, à de très nombreux égards. Et encore une fois, je vais faire la différence entre l'école et les enseignants. Oui. C'est-à-dire qu'au sein de l'école, il y a des enseignants qui cherchent à bien faire. Il y en a plein, <laughs> l'immense majorité même. Alors là, sur le Covid, ils... Ils ont vraiment été conduits à une espèce d'extraordinaire banalité du mal. Hein. Euh, mais il y en a certains qui se sont rebellés, il y en a certains qui ont essayé d'amoindrir les choses. Et heureusement que tout le monde n'est pas parti, parce que euh, certains directeurs d'école, certains enseignants ont permis que des enfants n'aient pas de masque, euh, qu'on les soule pas avec le fait qu'ils allaient tuer leur grand-mère ou je sais pas quoi. Euh, et, et ça, heureusement qu'il y a des gens qui restent dans l'institution pour bah, mettre des bâtons dans les roues, quoi, justement, hein, euh, faire un peu comme Schindler dans la liste de Schindler, quoi, permettre à, à des gens de, voilà, donc. Euh, je pense qu'il faut bien différencier les choses et mettre de la nuance, on peut pas mettre tous les profs et tous les instituts dans bien le bien même panier dans euh, toute hein. l'école de même, de même dans l'école je pense qu'il y a aujourd'hui des très bonnes écoles publiques de village euh, oui. où ça se passe très bien parce que l'instit est super, parce que le directeur est super et il y aura des écoles privées qui vont être merdiques parce que ouais, les instits sont, sont, sont pas bons, parce que les, pro les, les parents en attendent beaucoup trop euh, pour leur argent ou je sais pas quoi donc c'est compliqué à arbitrer. Mais là, il y a eu un moment de crispation majeure où il y avait directement une atteinte aux enfants. Est à dire là, on, on... et donc pour moi, c'était un geste de survie finalement. Euh, tous les gens qui ont mis leurs enfants en instruction en famille, c'était je protège mon gamin. Point barre. Et ça, je trouve ça hyper juste. Un, un réflexe, euh, euh, comment dire, euh, épidermique quoi, un truc. Euh, c'est c'est l'animal qui parle presque quoi. Je prends soin de mon sûr. petit. Et euh, un peu comme les mains d'un si vous voulez. C'était un mouvement qui était hyper juste pour moi parce qu'il a même pas besoin de justifier intellectuellement, théoriquement, scientifiquement. Tu touches pas à mon gosse, point barre. Et, ouais. et ça, ouais, je, ouais, on devrait ouais. retrouver ça. Parce que beaucoup d'entre nous, dans notre société, au sens large, hein, euh, l'a perdu et est prêt, en gros, à sacrifier son gosse si, tant qu'on le laisse tranquille, quoi. Ouais, ça va, c'est bon, il ne va, il va pas en mourir. Ouais, ouais. Enfin, euh, il ne va pas en mourir, pas sûr. Hein. Il euh, y a des gamins qui se sont suicidés de tout ce qui leur est arrivé ces dernières années, etc. Mmh. Et euh, je vous invite à lire le livre d'Emmanuel de, Darle, euh, ne touchez je, pas je nos enfants. Voilà, et puis il y en a, a d'autres euh, que vous pouvez lire, mais qui font un peu le récit de tout ce qui a pu se passer, le, les témoignages. Et je crois que c'est très important que on fasse témoigner les jeunes aujourd'hui, qui n'ont rien pu dire, quoi, qui dû fermer leur gueule et en gros subir ce qui se passait, okay. en n'en okay. pensant pas moins. Et leur ouvrir le dialogue, leur permettre de, de déposer ça, euh, je pense c'est hyper important. Et ça, c'est aussi, ce serait un acte de résistance. Ça paraît pas fou comme ça. c'est pas contre Bill Gates, mais vous allez dire bon, on se fait un petit retour d'expérience sur le Covid. On a fait un atelier un peu en périphérie avec l'école où chacun vient déposer ce qu'il avait sur le cœur, etc. Une sorte de euh, Covid anonyme, d'alcoolique anonyme. J'ai commencé à le faire, Louis, euh, parce que j'interviens dans les écoles sur le harcèlement. Et en avril dernier, je suis allé à Dijon euh, dans un CFA. Première fois, je faisais une école des métiers. Et euh, comme j'ai l'habitude de faire des questionnaires sur le harcèlement, alors, pour la petite parenthèse, j'ai commencé à faire des interventions dans les écoles vers 2015-2016. Et euh, avec la période Covid, étant donné qu'il y avait les masques imposés, etc., je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que j'interviens dans les écoles ou pas J'ai eu beaucoup de demandes de professeurs, de parents, etc. Et j'ai dit écoutez, c'est pas que je refuse d'intervenir dans les écoles, mais compte tenu de la tyrannie sanitaire et du totalitarisme que vivent vos enfants, je ne peux pas moi, Nicolas Bouvier, intervenant sur le harcèlement. Leur faire entre guillemets la morale sur le harcèlement scolaire, alors qu'ils sont masqués jusqu'aux oreilles, qu'ils sont déjà traumatisés par l'État, par le gouvernement et euh, qu'ils subissent déjà une violence d'État inimaginable. Et donc, j'ai refusé, j'ai entre guillemets, j'ai euh, fait une sorte de grève d'intervention sur le harcèlement pendant deux ans et euh, j'ai commencé à reprendre donc cette année avec euh, en avril le dernier donc, euh, une intervention que j'ai faite avec euh, plusieurs élèves de CFA, donc c'était entre 15 et 20 ans. Et euh, dans les questionnaires, je les ai modifiés. Et euh, là, j'ai dit, voilà, de, la période Covid, comment vous l'avez vécu Et je voulais vraiment avoir un témoignage de fond. Et comme ce sont des questionnaires anonymes, euh, alors certains marquent leur prénom quand même, mais ils disent, voilà, comment je l'ai vécu. Et j'ai constaté en faisant les statistiques que sur environ 140 élèves, on en avait facilement une cinquantaine qui avaient fait des états de dépression, qui avaient pensé au suicide euh, sans, euh, quand ne pas faire des tentatives, qui ont eu leurs parents aussi qui ont divorcé pendant la période. Alors, je, je passe sur les problèmes de maltraitance, de violence conjugale aussi, parce que parfois, on a des cas… Euh, ai, D'ailleurs, j'ai remarqué que maintenant, le harcèlement scolaire explosait en primaire. C'est un phénomène qui est, on va dire, nouveau depuis 4-5 ans. Avant, c'était plutôt la période de collège comme à mon époque. Mais aujourd'hui, dès l'âge de 6-7 ans, ça commence de manière euh, très délicate. Hein. C'est des agressions sexuelles aussi. Hein. On a eu des faits divers de, de gamins de 5-6 ans qui étaient agressés sexuellement dans les toilettes, etc. Donc ça commence de plus en plus tôt. Je ne parle même pas du cyberharcèlement avec les portables, parce que ça, c'est encore un phénomène qui a explosé. Et que le système n'a pas du tout pris en conséquence, puisqu'on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Euh, en Suède, on revient au manuel scolaire parce qu'on s'est aperçu que tout numérique, c'était une connerie monumentale. Et c'est pour ça que euh, Demurger l'explique très bien dans La Fabrique du Crétin Digital. Euh, et puis, euh, on s'aperçoit donc que la période de Covid, alors certains l'ont bien vécu parce qu'ils ont perçu ça comme des vacances avec les confinements. Mais d'autres ont eu un retard euh, déjà neurologique euh, d'apprentissage. Et là, euh, Notamment, j'ai fait une émission avec Adélaïde Joran il y a quelques semaines, qui est ostéopathe à Périgueux, euh, qui est toujours suspendue depuis deux ans parce qu'elle a refusé euh, l'injection. Et elle me dit qu'au niveau bah, déjà de l'élocution, etc., comme euh, des, des, des élèves n'ont jamais vu leurs enseignants en entier, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que masqué comme ça, comment on peut entendre, euh, comment on peut euh, comprendre et lire sur les lèvres Alors, je me pose la question, moi, sur euh, les personnes en situation de handicap ou euh, par exemple les sourds, parce que bah, euh, parfois certains arrivent à lire sur l'élève, donc là, comment on fait? Donc ce, ce sont toutes des problématiques euh, qui n'ont pas du tout été anticipées. Alors on va nous dire oui, mais ça nous est tombé dessus, on ne pouvait pas prévoir. Et le problème, c'est que là, on va mettre des, des années, voire des décennies. Euh, et j'ai souvent dit à des gens, euh, on est en train de faire des générations de Michel Drucker, c'est-à-dire des, des hypochondriaques qui ont peur de tout. Euh, dès lors qu'il y a une petite bactérie, tout de suite, il faut se protéger euh, comme si on était euh, emprisonné. Et donc, euh, j'ai pu faire, et ça a été ma satisfaction, même si j'aurais voulu ne jamais l'avoir fait, euh, si j'avais pu éviter, je l'aurais fait, mais euh, justement, de voir le ressenti. Et euh, on a un bon tiers des élèves qui a très mal vécu la période de Covid et qui, ils sont très intelligents, les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui se sont dit… Euh, pourquoi on m'a enfermé Moi j'étais en bonne santé, je n'ai pas pu voir mes copains, je n'ai pas pu faire de sport, les salles de sport étaient fermées durant le Covid. Moi-même j'ai dû aller clandestinement faire du sport à des heures où, pour éviter d'être contrôlé par la police. On en était arrivé à ce niveau-là. Par contre, les dîners, les dîners clandestins ou alors les clubs échangistes étaient ouverts. Euh, on voit qu'il y a des trucs complètement hallucinants, donc ce n'était pas du tout sanitaire, on l'a vu. Et donc, à partir de là, euh, je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet que... Que, qui vous intéresse aussi parce que je l'ai vu dans votre ouvrage c'est quelque chose qui nous est commun c'est un sujet qui nous pose question c'est le transhumanisme c'est aussi l'intelligence artificielle et euh, je sais que dans certaines interviews vous aviez évoqué justement euh, ce que vous aviez vu évoluer dans l'hôpital public c'est-à-dire les stratégies de maduring euh, quand c'est pas McKinsey ou les cabinets de conseil qui sont derrière tout cela mais le fait qu'aujourd'hui on est en train d'ubériser de plus en plus depuis ces dernières années le milieu de l'hôpital, avec bah déjà l'absence, enfin la, la réduction de la proximité avec le patient. Est ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Euh, oui, dans, dans le champ de la santé, mais plus largement, parce que c'est un, un, un phénomène galopant de l'ensemble de nos, de nos structures institutionnelles. Euh, c'est-à-dire que j'ai écrit un deuxième bouquin qui s'appelle Agonie et renouveau du système de santé, euh, qui parle de ça, quoi. Le, le sous-titre, c'est Mirage d'une médecine algorithmique transhumaniste, un mirage d'une médecine faite avec que des algorithmes, c'est-à-dire if then go to un algorithme, c'est c'est un programme informatique, quoi. Euh, et c'est un mirage. Euh, le transhumanisme, c'est ça, c'est l'idée que L'humain est imparfait, euh, il est une, une sorte d'erreur, et euh, il faudrait mettre en place des systèmes parfaits partout. Et ce sera vrai euh, d'abord, euh, et donc c'est pas un truc nouveau, ça date du 18e siècle, où on remplace l'artisan par euh, l'industrie. Et l'industrie, déjà, est une logique de perfectionnement. quoi. Il faut mettre un process en place. Puis euh, l'artisan, avec ses gestes, son rabot, non, non, on va lui mettre un tour à fraiser, puis il va faire toujours le même geste toute la journée. quoi. Euh, mais il est encore trop chiant, il se met en grève, etc. On va enlever l'humain, on va robotiser encore plus, mettre que des machines. Et l'humain, on va le mettre dans des bureaux au-dessus. Mais dans des bureaux au-dessus, il fait encore des erreurs dans sa façon de gérer les tout. Il n'est pas bon. Oh, c'est pas grave, on va mettre des, des, des algorithmes, des logiciels métiers. On va mettre dans chaque entreprise maintenant, on doit faire un ticket pour demander ensuite une intervention de quelqu'un, une espèce d usine à gaz à la con, euh, numérique, euh, pour remplacer à chaque fois l'humain. Parce que le fond de la pensée transhumaniste, mais si est si c'est l'humain l'erreur, pour qu'il n'y ait plus d'erreurs, il faut qu'il y ait plus d'humains. Et, euh, et, et, voilà. Et donc, le transhumain, en gros, c'est la fin de l'humain. Et, euh... Alors, on va vous le vendre en disant, oh non, c'est le cyborg, c'est l'homme augmenté, euh, on va se mettre des add-ons numériques euh, avec une prise jack euh, USB dans le cou, euh, vous, vous pourrez bizarre. apprendre. Voilà, c'est effectivement, vous rentrez dans Black Mirror. Mais en fait, c'est un cauchemar, c'est pas un rêve, le, 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 le transhumanisme, c'est un cauchemar où l'humain est réduit finalement à, soit à disparaître, soit à devenir un esclave de la technocratie, c'est-à-dire du pouvoir à la technique. La technique, c'est l'outil l'outil lui-même qui va vous dicter ce que vous voulez faire ce que vous devez faire et on est beaucoup dans nos boulots, finalement à devenir progressivement les esclaves euh, du système technique euh, qu'on utilise euh, en tant que médecin bah, vous devez remplir la traçabilité euh, sur euh, votre dossier Il faut que le dossier vous le remplissiez comme ci comme ça parce que le logiciel il a des, des formulaires de saisie qui sont comme ci comme ça et donc euh, aujourd'hui sur un dossier de la PHM bah, vous avez en gros covid vaccination en premier vous pouvez pas échapper au truc parce qu'on a mis une alarme et donc le système technique vous force à vous intéresser à ça. Et ça aboutit à des folies. C'est-à-dire que l'autre jour, il y a un patient, en, en une semaine de réanimation, enfin, en, en cinq jours de réanimation, il avait eu 14 tests Covid. 14 euh, qu qu Qu'est-ce qu que vous foutez, quoi? En fait, oh. vous n'avez pas confiance dans le résultat et tout ça. Et, et il savait même plus pourquoi il le faisait. Les gens, les, les médecins, quand euh, les, les biologistes les ont appelés en disant mais pourquoi vous faites ça en fait Vous ne faites pas un test euh, tous les deux, trois fois par jour pour la grippe enfin, Pourquoi vous le faites pour le Covid En fait les gens étaient devenus complètement siphonnés quoi, sur la question du Covid. Oui, et parce plus, que le problème log... n'existe plus, la grippe n'existe plus. Ah ouais, on et le logiciel... Les... Les, les, les... Ouais. <laughs> Donc le, le transhumanisme c'est une sorte de promesse satanique, euh, de, comme euh, chaque fois que le diable veut faire un pacte avec vous. Et en fait, il vous vend, euh, le confort, la facilité, le pouvoir, l'argent. Contre quoi? Contre votre âme. Bon, l'âme, c'est quoi? On s'en fout. Ouais, c'est bon. <laughs> c'est bon, je signe, quoi. Ouais, mais une fois que vous avez signé. Ça y est, vous, vous... Je veux signer avec le temps. Vous... Et là, aujourd'hui, votre téléphone portable numérique, c'est le pacte avec le, il vous donne le pouvoir. Vous avez accès à Wikipédia, vous avez accès à, vous pouvez tout commander, vous pouvez trouver un resto en deux minutes, vous dirigez sur Waze, je sais pas quoi. Il vous donne tous les pouvoirs, c'est vrai. Mais en échange, qu'est-ce qu'il vous a pris, quoi? Vous avez plus d'intimité. Vous n'avez plus de. Euh, vous avez plus aucune euh, marge de manœuvre, en gros. Vous ne pouvez plus même en sortir. Vous voudriez payer du cash à un commerçant du coin. Vous vous retrouvez à la campagne, il n'y a plus rien, quoi. On n'accepte plus le cash nulle part, etc. Et, et en fait, vous avez, Alors, vous avez perdu votre liberté. C'est ce oui. intéressant ce que vous dites. Je, me, je suis désolé de vous interrompre, mais euh, parce que vous en aviez déjà parlé tout à l'heure, et je voudrais saluer mon ami Stéphane Cuvelier, qui est aussi un, un humoriste résistant. Euh, parce qu'il a fait quelques vidéos, parce qu'en Belgique c'est pareil, mais j'allais dire ça, ça devient mondial aussi, euh, l'euro numérique, la fin de l'argent liquide, euh, tous ces, euh, bah, ces, ces projets, euh, j'allais dire, de, de Davos, hein, de l'agenda 2030, etc. Parce que tout ça est publié et factuel, j'allais dire il suffit de faire 2-3 clics sur Internet. Et ils le disent, c'est-à-dire que d'ici 2030, leur but, c'est de, de, en limite de bannir la viande, parce que la viande, c'est mal, c'est euh, criminel de manger de la viande, et puis ça permet de lutter contre le réchauffement climatique. Ensuite, c'est la fin de l'argent liquide, comme ça, tout le monde est tracé, surveillé, etc. Une forme de crédit social à la chinoise euh, qui ne dit pas son nom. Et là, il y a un épisode de Black Mirror qui qui me parle encore parce que j'ai regardé Black Mirror quand c'était le premier confinement, je connaissais pas trop et quand j'ai vu cet épisode où euh, finalement une nana doit avoir quatre et demi sur 5 en moyenne pour être acceptée au mariage d'une nana qu'elle peut pas blérer mais pour avoir un taux de respectabilité, elle accepte d'être le témoin de mariage de sa collègue qu'elle peut pas blérer et puis finalement bah, à force d'être trop gentille, d'être trop conforme, elle fait des erreurs parce qu'elle est humaine encore une fois et donc euh, elle elle commence à déraper de partout. À perdre son sang-froid, et puis elle finit à 1,5, et finalement elle finit en prison. Et euh, on voit, ce, et, ou alors des épisodes avec la puce où on peut savoir, avec la puce, retrouver ses souvenirs comme dans un DVD, etc. Et, et c'est vrai qu'on se dit, euh, bon, au-delà de Seurost, Bill Gates, euh, Rockefeller et compagnie, euh, comment nous, à notre niveau, on peut lutter. Hormis de dire non, même si c'est déjà beaucoup, parce que dire non aujourd'hui, c'est très compliqué sans être insulté ou injurié par la bien-pensance. Mais euh, comment, à notre niveau, déjà, on peut se battre, sachant que, euh, comment dire, vous évoquiez déjà euh, le fait que vous n'aviez plus de télé, que votre euh, téléphone, j'allais dire, est à une forme d'alcatel, et finalement, c'est très bien, en quelque sorte. Non, mais c'est vrai. Euh, Moi-même, bon, j'ai un smartphone, mais c'est vrai que, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein. Qui peut arriver à n'importe qui. Moi, j'ai une voiture, j'ai une DS4, euh, je me suis fait plaisir. J'ai découvert dans ma voiture que j'avais un truc qui s'appelait l'AD Blue. Je ne connaissais pas. L'AD Blue, c'est un truc que ne dit jamais le vendeur de, du garage, parce que sinon, on n'achète pas la voiture. C'est un truc anti-pollution. C'est un truc qui a été mis en place par l'Union européenne en 2014. Donc, toutes les voitures qui sont après 2014-2015 ont un truc à Day Blue. Et j'ai découvert que c'est un immense truc qui est dans le, à côté du filtre à particules et qu'il bah, y a beaucoup de, à des Blue défaillant. Donc, il y a des voitures en fait, qui ont des problèmes d'antipollution. Ça paraît anodin, mais quand on change le truc, ça coûte en moyenne un SMIC. Et euh, si on ne change pas dans son garage où on a acheté la voiture, eh bien, on n'a pas de, de réduction, on n'a pas de prise en charge. Et moi, je me suis fait avoir l'année dernière. Et en fait, je fais partie des voitures qui avaient le, la Blue défaillant. Et euh, je, je discute avec les garagistes, avec les réparateurs, et je leur dis, mais vous avez quoi comme voiture bah, Ils me disent, moi j'ai une voiture, elle a 20 ans, j'ai une voiture, euh, c'est une, une Peugeot 205, c'est une vieille bagnole, etc. Et je me dis, mais en fait, vous vendez des voitures auxquelles vous n'avez pas confiance en réalité. C'est-à-dire qu'ils vendent des voitures dernier cri, mais aucun d'eux n'achèterait cette voiture-là. Alors le pire, c'est quand on, on est vendeur d'une marque, mais qu'on a, qu a une voiture d'une autre marque, parce qu'elle est plus performante. Je connais quelqu'un qui, qui travaille, euh, comment dire, dans une marque et qui a une Mercedes. Rien à voir. Et je me dis, mais comment inspirer confiance pour l'achat d'une voiture qui est quand même un investissement, quand même, j'allais dire, presque sur le long terme Quand déjà, on ne croit pas à ce qu'on vend quasiment, euh, surtout quand les voitures ne sont plus françaises. Et donc, à partir de là, euh, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû garder mon ancienne voiture qui était un peu plus âgée. Malheureusement, elle avait euh, plus de 170 000 kilomètres. Donc, je me suis dit, je vais changer. Bon, là, j'ai une voiture, mais je me dis, du coup, je ne vais plus la changer parce que moi, je n'aime pas les voitures automatiques. Euh, J'aime bien passer les vitesses, je suis un peu à l'ancienne. Et je me dis, en plus, l'électrique, on nous rabat les oreilles avec l'électrique euh, en nous faisant peur avec euh, comment dire, le climat, avec les voitures diesel, etc. On nous parle de pollution, donc on, ce sera un autre débat. Mais je me dis, à partir de là, c'est sur les voitures, c'est sur la santé. Aujourd'hui, bah, dès que vous toussez de travers, vous avez le Covid. Euh, moi, j'ai des proches, euh, comment dire, dans le milieu professionnel. Euh, j'avais un rhume. Est-ce que tu t'es testé Pourquoi je me teste Non, je ne me teste pas. Euh, ah, ben, il faut vous tester quand même parce qu'on ne sait jamais si vous avez le Covid. Bon, OK. Euh, alors, j'avais le Covid. Bon, l'autotest. Finalement, je suis allé chez le médecin. Il m'a dit Vous avez une otite à gauche et vous avez un rhume. OK. Il ne m'a pas parlé du Covid. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un médecin qui, apparemment, n'était pas trop conditionné, etc. Parce que c'est pareil, quand on prend rendez-vous chez le médecin, on ne sait plus à qui se fier. On sait, ne on sait jamais, ça peut être un médecin qui soit pro ceci, pro cela. Moi, je n'ai rien dit. J'ai dit, OK, je suis revenu travailler. On m'a dit, alors ce Covid, bah, je lui dit c'était un rhume avec une otite. Ah bon, mais le test était positif. J'ai dit, oui, mais les tests, ça va, ça vient. j'en ai pas dit plus. Mais voilà, on en est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vit. J'allais dire c'est dans la peur mais même quand on n'a pas peur mais on se dit la la masse qui est autour et qui est encore conditionnée et qui euh, si on leur dit demain mettez le masque ils se soumettront sans réfléchir et c'est là que finalement le phénomène de transhumanisme est l'étape d'après en quelque sorte. Ouais, Désolé alors... pour la digression, j'étais un peu long. Non non, il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous dites et, et euh, on est d'accord sur les constats et je pense que Aujourd'hui, on vit dans un asile à ciel ouvert, quoi. <laughs> C'est vol au-dessus d'un nid de coucou en permanence, quoi. Les gens ont des, vous parle de choses qui n'ont plus aucun lien les unes avec les autres. Euh, ils ont une façon de réfléchir sur les choses qui est complètement de traviole. Donc, on a vraiment l'impression d'être au milieu d'un, d'un ouais, pays de, 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 de tarés, quoi. De, de gens qui sont de, tous complètement euh, gaga, quoi. Et, y compris des gens qui ont un haut niveau intellectuel, hein, ça n'a pas à voir avec les diplômes, hein. euh, au contraire, quoi. De, le, au contraire, les gens qui sont plus proches de la terre, plus proches des choses simples et, des, et de la matière, souvent garde du bon sens, quoi. Alors que les gens qui sont dans toutes Tout projection projections, euh, ils, ils, voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, c'est, euh, sur la question monétaire, effectivement, il y a un grand projet de, voilà, hein, de grands recettes avec euh, la crypto-monnaie, etc. Bon, ok, très bien. Ça, c'est le projet. Mais ça veut pas dire qu'il va se réaliser. Et ça veut pas dire qu'il soit réaliste par rapport à ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu que déjà, euh, la guerre en Ukraine met quelques bâtons dans les roues. Le lien entre les BRICS, l'émergence d'autres crypto-monnaies, etc., met des bâtons dans les roues aussi au grand projet. Euh, bon. Ok, Vous rien n'est moins sûr quand même. Et, et au moment où on où se condense l'ensemble du système, c'est toi qui se serre en fait autour d'un noyau dur en voulant une seule chose, de manière totalitaire, on s'aperçoit que de partout, il y a des bifurcations, il y a des possibles, il y a des brèches qui s'ouvrent. Et on a fait une expérience. Euh, euh, culturel et artistique autour de la question monétaire qui s'appelle prenez place que je vous invite à aller voir sur internet donc vous tapez prenez place Fouché, vous avez trouvé la, la, la chaîne YouTube où euh, de plein de sociologues, d'anthropologues, de, d'historiens de, de la monnaie, d'ingénieurs euh, monétaires, d'économistes, de, de financiers qui font du trading, etc. Euh, réfléchissent ensemble. Puis moi je fais partie en gros des intellos du truc quoi. Et euh, on réfléchit sur la non. question monétaire. Et le ouais, premier ouais. constat de ça. C'est qu'il y a un foisonnement d'expérience monétaire. C'est-à-dire qu'au moment où on a l'impression que tout se contraint, au contraire, il n'y a jamais eu autant de monnaie locale, de monnaie libre, euh, de crypto, de gens qui reviennent à, à, à d'autres systèmes comme le troc, euh, comme le jardin d'échange universel, le jeu, euh, ou, ou encore d'autres systèmes. Et ça, c'est très réjouissant. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un dit non à quelque chose, bah, il va être obligé de dire oui à autre chose, de, de mettre son énergie à créer ce qui manque et Donc moi je vous invite à dire non évidemment à, à l'argent numérique tel qu'il nous est proposé. Et ça, mais ça va vous mettre en demeure de dire bon bah comment on échange quoi. Et en fait ça revient toujours à la même question que ce soit pour euh, quand vous faites, euh, vous pouvez pas vivre tout seul. Euh, donc pour l'école ce sera pareil. Vous pouvez faire l'instruction en famille, mais vous allez vous faire défoncer. Donc soit vous faites un groupe qui fait de l'instruction en famille, vous êtes 400 familles, vous entraidez, il y a des ateliers, les gens euh, euh, proposent leurs services les uns aux autres. <laughs> les gamins en fait ils font plein d'ateliers différents. À la fin ça ressemble à une petite école. Et donc à la fin vous faites une école. Euh, et et aujourd'hui il y a plein d'écoles qui sont en train de foisonner partout, privées. Il y a tout le réseau Red'école euh, qui essaye d'aider. Moi j'en ai, ai rencontré d'autres. Je vais avoir la chance de parler euh, dans, dans, dans plusieurs écoles que j'ai pu voir émerger. Ça c'est très très réjouissant. Et pareil pour le système de santé. Le premier réflexe ça va être de dire bon bah ok moi je veux plus de ce système de merde. Je veux pas me retrouver à l'hôpital. Mais ça si vous regardez bien l'histoire nos grands-parents, ils disaient déjà la même chose. Hein, ils disaient « Ah non, moi, je ne vais pas à l'hôpital, hein, je risque d'en crever. » Donc, pendant un très court grave. moment, on a, eu, on a eu confiance en l'hôpital et en les médecins. Mais la norme, c'est de ne pas avoir confiance dans les médecins et dans l'hôpital. Euh, et donc, de retrouver de l'autonomie. « Je dois rester en santé. » Qu'est-ce que je bouffe euh, Comment je gère mes émotions Est-ce que je fais du sport Est-ce que ma vie sociale elle est riche, etc. Est-ce que je rigole tous les jours à, à plein poumon euh, sur des bonnes grosses blagues euh, de Cubeli, etc. Nous pendant le Covid, dans Réinfo Covid, on avait fait un truc, c'est qu'il y avait quelqu'un, c'était son rôle, hein, c'était sa mission. Tous les jours, il devait nous faire rigoler pendant cinq minutes. Et donc, il, il trouvait euh, euh, fou, hein. bah, les, les vidéos, les trucs, parce que c'était, ça allait de notre santé mentale. On avait besoin de ça de rigoler de allez c'est tellement gros quoi à la fin il faut il vaut mieux s'en marrer quoi bon ça ne nous empêchait pas d'être très réaliste hein, mais euh, mais il fallait ouais, qu'on rigole on savait que c'était pour mieux. notre santé c'est ça et donc c'était une mission et finalement sur toutes les structures institutionnelles qu'elles soient l'information donc les médias meurent. Ok, vous allez vouloir vous renseigner tout seul, vous y arrivez pas. Il faut créer des médias. Euh, L'école meurt. Vous voulez faire tout seul, vous n'allez y pas, y arriver tout seul. faut vous mettre avec d'autres et créer des écoles et de l'instruction aux familles et de bifurcation. La, la monnaie meurt et on veut vous forcer à faire un truc. Renoncez à cette monnaie. Faites tout ce que vous pouvez en troc autrement. Ça va être plus chiant, ça va vous prendre plus de temps que de commander sur Amazon. Hein. Ça c'est vrai. Mais c'est la question du pacte avec le diable. Le diable vous vend du confort. Mais la vie est pas faite pour être confortable. C'est beaucoup plus sympa quand on en chie un peu et que on bosse pour obtenir les choses. Quand, si vous êtes, euh, si votre but dans la vie, c'est de devenir un gros ricain euh, qui fait 250 kilos sur son euh, <rire> en buvant <laughs> du coca et en mangeant des pizzas, en regardant le dernier télé-réalité sur votre sofa, c'est une vie de merde en fait. Euh, c'est <laughs> pas ça qui, c'est pas ça le but de l'existence. Donc évidemment, non, ça tout ça va nous mettre au travail et c'est douloureux. Des fois, on se dit mais moi je sais rien faire, je sais pas par où commencer. Bah commencez par juste par retrouver des gens, d'autres gens. Parce que rien que ça, c'est hyper difficile. Euh, être avec d'autres gens. Et puis, donnez-vous un prétexte. Faire ce que, ce que vous faites, là, d'aller voir les, les jeunes et de leur permettre de parler de ce qu'ils ont vécu. C'est hyper important. Euh, faire un groupe de papy et mamie qui dit euh, Nous, on va voir les directeurs d'école et on discute. Euh, le transgenre, c'est sûr, là, ou pas Ça va de soi Ou on peut faire autrement Parce que nous, on va vous proposer des ateliers de vie relationnelle et sexuelle, comme l'indique Papendiaï, mais on va parler un petit peu autrement. Parce qu'on est sur un sujet important, là. Réemparez-vous des sujets. Refaites-vous-en et, et osez, parce que le, dès que vous osez vous mettre à la rencontre, vous allez être stupéfait de votre puissance d'agir. C'est quelque chose d'incroyable. Je me souviens, il y, a, il y a des gens qui étaient seuls à un moment, il y a quelqu'un qui m'a raconté bon, dans le Covid, je pensais que j'étais seul, j'étais fou dans mon village, tout le monde pensait que j'étais un allumé, j'étais convaincu que ça servait à rien, etc. <laughs> en gros, j'étais complètement ostracisé, etc. Puis il est allé dans la grosse ville d'à côté, au, au marché, puis il a commencé à juste parler aux gens dans, au marché. Puis là, il, en gros, il est parti à la pêche, quoi. Il a mis l'hameçon et. <laughs> Et il a vu si ça pite ou ça pite pas. C'est-à-dire si les gens y répondaient un peu, ils disaient Ah, je peux prendre votre numéro, etc. Euh, on est un collectif. Mais il était tout seul au début. Hein. C'est comme dans les, les chansons des années 70, je suis une bande à moi tout seul. Mais il a fait semblant qu'il était un collectif. Et, et petit à petit, il a dit Ah, vous voulez rejoindre notre collectif Et ils se sont retrouvés au bout d'un mois, ils étaient 70. Alors qu'il était tout seul au début. Et là, ils ont commencé à faire des trucs, à tracter, à manifester, à aller voir le maire, à aller voir le patron de la, DG, de la RS du coin, à aller voir le, 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 le directeur d'école, etc. Et parce que ça y est, ils étaient puissants. Et donc, le, la première chose, c'est déjà souffler sur les braises, trouver les gens qui sont un peu raccord avec vous. Plutôt que d'essayer de convaincre des gens qui ne voudront pas être convaincus, bah, trouver des gens qui sont raccord et souffler doucement pour que ça prenne. Quoi. Et ce n'est pas facile hein, que ça prenne. Parce que les gens, ils ont peur, parce que les gens, ils sont en colère, parce que les gens, ils veulent faire des actions à la con qui ne servent à rien. Mais est-ce que, voilà, vous avez commencé à proposer des trucs alternatifs pour l'école et réinvestir euh, les associations de parents, etc. Oui, mais c'est chiant, on ne décide rien. Oui, mais si personne n'y va, ça se décide sans vous. Donc, il faut y aller. Euh, est-ce que vous avez investi des associations de patients dans l'hôpital Oui, mais ça ne sert à rien, de toute manière, on ne peut rien changer. Ce n'est pas vrai. Vous arrivez, vous arrivez à 400 dans l'association de patients, en disant mais à côté, nous, euh, voilà, on a bien réfléchi tous ensemble, on est 400, on est le groupe éthique euh, du, du Périgord euh, et euh, citoyen, et on a dit euh, les masses c'est pas tolérable, le passe c'est pas tolérable à l'hôpital, faut pas que ça recommence. Vous pouvez pas filtrer les gens. Et là vous racontez les histoires des gens qui ont eu des cancers et qui n'ont pas eu de chimio, des gens qui, eu, qui avaient besoin de greffe qui n'ont pas eu de greffe, euh, des gens qui devaient être soignés, et voilà. Ça c'est remise en contact. Et puis après vous reprenez les besoins fondamentaux, vous soignez. Ok, vous avez besoin de savoir faire une suture, savoir faire des pansements. Vous avez besoin d'antibio au cas où okay, vous êtes malade, etc. Ok, vous apprenez ça. Vous apprenez à le faire. Et vous apprenez même avec le médecin du coin qui est sympa. Et avec l'infirmière du coin qui est sympa. Et avec euh, l'aide-soignant. Et vous le faites ensemble. Et vous faites des réunions où vous discutez. Bon, bah, moi, j'arrive pas à manger autrement. Je continue à grossir. <laughs> Je sais pas quoi faire. Ok, on va faire des cours de cuisine. Et enfin, bref, il y a plein de choses à faire. Et la... comment dire ça? La... la clairvoyance. La lucidité sur ce qui se passe n'interdit pas la bienveillance, n'interdit pas la créativité, n'interdit pas la mise en lien. Il y a beaucoup de gens, ils veulent être lucides et ils veulent expliquer à tout le monde. Mais ne comprends rien. C'est terrible ce qui nous arrive. Et moi, je reçois ça tout le temps. Et les gens, ils me disent "Tu comprends rien. J'ai bien compris. Hein, J'ai lu tout ce que vous avez lu. J'ai bien compris. Mais je, si je m'arrête à ça, c'est comme si moi, réanimateur, j'arrive Il respire plus. Et euh, il n'y a plus de poux. Et je fais "Ah là là, c'est terrible. Bah oui, il est mort déjà. Donc... Soit moi je reste calme et je dis bon, ok, on commence par quoi? Liberté des voies aériennes, massage cardiaque, ok, insufflation. Et je fais mon truc. Et, et ok, ça marche, ça marche pas, on verra bien. Ça, j'y peux rien. Et je vis ce que j'ai à vivre au passage. Parce que tous les gens qui sont en colère, qui veulent en défoncer tout le monde et qui passent leur vie à se raconter les histoires qui font peur euh, de Klaus Schwab, etc. C'est bon, vous avez compris, ça sert à rien de les raconter Ou sinon, si vous étudiez le monstre, c'est pour trouver la faille dans la cuirasse. Pour trouver entre deux écailles à quel endroit vous allez enfoncer une épée et le défoncer. Si c'est pour regarder ces nouvelles griffes, ces nouveaux crocs, ces ailes qui sont plus grandes, sa queue qui est de plus en plus fourchue, et à chaque fois vous faites Ah là là, c'est terrible, c'est terrible, il est de plus en plus gros, de plus en plus gros. Mais vous faites rien, vous êtes fasciné par le monstre. Fasciné, ça veut dire à la fois euh, vous êtes séparé et collé. Vous pouvez plus vous en passer. Tous les jours vous allez regarder les trucs glauques sur Twitter euh, ou sur Telegram. Mais non, là vous ne faites rien et c'est le but du système. C'est de vous maintenir dans la frayeur totale, fasciné, pour que vous ne trouviez pas où est la faille de la cuirasse. Mais la faille dans la cuirasse, il y en a partout. Allez, à commencer par, vous ouvrez un bar ça dans un village. Vous ouvrez un bar du coin dans un village. Vous êtes sympa, juste ça. Vous, le service n'est même pas impeccable. Vous servez des Heineken si vous voulez. On s'en fout en fait. Juste si vous faites ça, vous allez voir la, la quantité de liens que vous recréez et de créativité qui se met en branle. Je vous le dis d'expérience, c'est pas de la théorie. Hein. C'est que. Autour de moi, j'ai eu la chance de voir plein de collectifs. J'ai vu quand se sont réinstallés des, des bars associatifs pendant le Covid, qui sont restés ouverts, qui n'ont pas mis de masque, qui ont dit on n'en a rien à foutre des confinements. Ils sont restés. Ils ont juste fermé leur devanture et puis c'était associatif. Vous n'avez pas à venir, c'est une assoce. Euh, point barre. Et ça, ça recrée un lien dans les villages, dans les lieux, de partout. Et ça, on peut le faire à l'échelle de quartiers, dans les villes où personne ne se connaît, où personne ne se parle, où tout le monde a peur les uns des autres, euh, comme à l'échelle d'une petite ville. Donc, euh, je ne sais pas comment dire, il y a plein de, a tellement de choses de... à faire, de... qu'on n'aura pas trop d'une vie pour, euh, pour changer le monde, si vous voulez. Et pendant ce temps, à la fin, est-ce que ce sera meilleur ou pas On n'en sait rien. Mais vous en savez rien, ce qu'il y aura demain, si ça se trouve, vous, vous ferez écraser par une bagnole. Donc, entre temps, faut vivre ce qu'on a envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de vivre en colère, à me bouffer le foie, à me bouffer mon ulcère, à avoir un cancer du cul à la fin à... <laughs> Ou est-ce que j'ai envie de vivre dans la joie, avec, eux, en parlant à mes voisins, même si on n'est pas d'accord sur le Covid, et de rigoler avec eux sur, euh, voilà, sur les, les trucs les plus aberrants Et vous allez voir que le voisin qui n'est pas d'accord sur le Covid, peut-être qu'il va se mettre à rigoler quand vous faites des blagues sur le changement climatique. En disant ouais la canicule humide, enfin euh, la canicule froide, euh, la sécheresse humide, etc. Et là il va faire. Ouais, et, euh, de, gueule, quoi. Quoi. et là vous allez voir qu'en fait il ouais. y a une brèche. Et chacun a sa brèche. Il y en a un autre, ce sera sur la monnaie ou sur le, il, va, il a une petite boîte et euh, l'administration l'emmerde. Il a 15 administrations qui lui pompent son pognon, Il y a une fiscalité de malade, il peut rien faire. Lui vous allez vous allez le piter à cet endroit-là. Bon, quand même ils abusent là. Tout ça pourquoi Ils filent de l'argent pourquoi Pour faire des orgies à, à l'Elysée euh, avec des xénogen. Euh Bon. Ah, ça va pas quoi, et là vous vous dire ouais, ça va pas, ils ont complètement dérapé quoi, etc. Et, et là vous, re, vous recréez le lien et vous tirez le lien, et peut-être dans six mois la personne va revenir d'elle-même en disant, tu sais, sur le Covid, j'ai quand même des doutes là sur ce vaccin maintenant, et c'est déjà en train d'arriver ça, des gens qui ont pris ouais. une dose, deux doses, trois doses, chacun à son tour comprend, et si vous lui dites juste, ah, tu vas crever, c'est un grand plan génocidaire mondial, bon, peut-être, vous avez raison. Mais ça ne va pas l'aider il ne va pas vouloir l'entendre. Vous lui dites, tiens, ouais, moi j'ai vu des gens autour qui ont des effets secondaires, il y a des femmes qui n'ont plus leur cycle menstruel. Euh, toi, tu t'en es où? Il y a peut-être des traitements, tiens, j'ai vu qu'il y avait des gens qui proposaient ça et tout. Vous les branchez sur le sur euh, sur euh, où est mon cycle Vous les branchez sur Peter McCullo vous les branchez sur Ah ouais, il y a des myocardites chez les jeunes, vous les branchez sur Ah ouais, mais attends, avec la natokinase, avec euh, 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 tel ou tel médicament, etc., tel truc, euh, la vitamine D, tout, peut-être on peut améliorer les choses. Et vous les mettez dans une piste constructive d'emblée. Euh, quand vous annoncez un cancer à quelqu'un en médecine, vous ne lui dites pas t'es foutu, bonne chance. Quoi. Il dit non, ok, c'est sévère, c'est sérieux, mais il y a telle piste de traitement, il y a telle façon de faire, il y a tel truc qui peut aider, qui peuvent rajouter de la survie et peut-être même guérir. Et, et là, la personne, elle va faire, ok, j'y vais, ok, on y va. Parce que si vous lui dites juste un cancer incurable, Ismar, vous le revoyez jamais. Parce que c'est insupportable à affronter. Et euh, donc là, c'est un peu pareil, quoi. On est dans un, dans un gros, gros putain de cancer euh, de notre société. Bah oui, euh, peut-être que c'est la fin de l'Occident tel qu'on le connaissait. Mais réfléchissez bien. Est-ce que c'est pas, est pas plutôt joyeux que ça s'arrête comme c'était Une société qui était en prédation sur le tiers-monde, euh, sur les pauvres gens au bout du monde pour leur prendre leurs ressources, passer à son temps à faire des guerres comme les Américains pour aller pomper le pétrole, pomper, pomper le lithium, pomper l'uranium, etc. C'est pas bien que ça s'arrête, ça, en fait. Et oui, ce sera moins confortable. Mais encore une fois, le but de la vie, ce n'est pas le confort. Euh, le, voilà, le but de la vie, c'est de vivre. Et, et voilà, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Quoi. Donc, non, ouais, non, c'est tout, tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Alors j'ai deux questions pour finir. La première, euh, déjà, s'il n'y avait pas eu le Covid, est-ce que vous auriez fait tout ce que vous avez fait euh, depuis 2020 C'est-à-dire réinfo Covid, etc. Est-ce que finalement... Pour reprendre un petit peu la phrase de Schwab, mais pour la mettre autrement, quand il dit que la pandémie est une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde, est-ce que finalement, vous n'avez pas réinitialisé votre vie, ou en tout cas, vous ne l'avez pas transformée, si je puis dire, puisque vous êtes médecin et saisiste animateur Quand vous vous êtes présenté, euh, vous avez une palette incroyable, et c'est aussi pour ça que je vous suis depuis, depuis trois ans, euh, et je ne suis pas le seul, on est des dizaines de milliers à à suivre un petit peu ce que vous faites, parce qu'en réalité, euh, vous avez beaucoup de cordes à votre vous savez aussi, parler, aussi bien parler de santé, que de permaculture, que de philosophie, que d'histoire, et c'est ça qui m'a plu aussi, parce que euh, on a trop l'habitude d'avoir des gens qui connaissent leur boulot, mais après, sortis de leur boulot, bon, ils ont du mal à parler d'autres sujets, ou alors, ils disent, j'y connais rien, ça ne m'intéresse pas, etc. Et quand vous avez dit que vous étiez curieux de tout, bah, je suis un peu comme ça aussi, et c'est vrai que, euh, est-ce que sans le Covid, vous en seriez là aujourd'hui alors sur la curiosité, moi c'est depuis que je suis petit en fait, il y a, on m'a enseigné l'idéal de l'honnête homme et j'avais trouvé ça chouette euh, des gens qui se qui se préoccupe un peu de, de l'humain dans son ensemble et qui essayent de comprendre. Et puis moi j'avais la particularité d'avant de faire médecine, alors des études, fait des études de philo. Euh, et donc j'ai voilà j'ai fait une, une prépa littéraire euh, avec beaucoup de philo et d'histoire antique et de trucs comme ça et euh, ensuite je suis parti en médecine seulement donc j'avais déjà d'emblée un questionnement entre euh, le côté plutôt littéraire ou le côté plutôt scientifique et parce que ce qui me concernait profondément c'était l'humain euh, dans sa souffrance d'être au monde comme je vous ai dit quoi le truc il souffre quoi qu'est-ce que je peux y faire est-ce que je peux aider quoi avec la médecine je pensais que je pourrais aider et effectivement ça aide hein. euh, la deuxième chose est donc ce, cette curiosité je pense qu'aujourd'hui, euh, l'information elle va tellement vite que les gens montent en compétence de manière très importante et c'est aussi un des paradoxes de notre époque c'est à la fois les réseaux sociaux ils sont faits pour nous pour nous laver le cerveau mais en même temps, si on se met à chercher des choses, aujourd'hui, vous prenez un tuto pour faire euh, votre mur en BA13, euh, réparer votre bagnole, euh, changer les freins de votre moto, euh, rarissime, vous allez tout trouver, quoi. Apprendre la magie, euh, <laughs> je sais pas quoi. Tout est possible, quoi. Et donc, euh, ouais. au fond, euh, ça, c'est absolument fascinant, quelque part. Il y a une sorte de, de démocratisation de, du savoir pour de vrai. Et ça, même si c'est sur YouTube, c'est ça qui est fou. Vous êtes dans une major, mais en même temps, euh, euh, tout le monde donne sa connaissance de manière très importante. C est, c est, c est Et moi, je trouve ça étonnant à, ce, à cette époque-là. Donc aujourd'hui, vous prenez euh, la plupart des citoyens euh, qui ont, sont renseignés sur le Covid, sont en fait plus compétents sur la question du Covid au niveau médical que la plupart des médecins qui sont restés dans la DOXA. Ça, ça va être paradoxal. Hein. La deuxième chose, c'est euh, cette... Une crise, elle secoue quoi. une crise, l'idéogramme chinois c'est la crise et c'est l'opportunité aussi à chaque fois donc c'est une transformation, vous êtes mis sur le grill de la souffrance et ça va être une épreuve initiatique, soit vous en crevez soit vous refusez l'épreuve vous voulez rester un enfant, vous voulez pas devenir un, un grand et vous, vous restez un enfant et vous refusez l'épreuve, vous faites comme si de rien n'était, tous les gens qui sont dans le déni disent non mais ça va moi depuis trois ans, j'ai des collègues comme ça, hein. je dis ça va depuis trois ans, pour toi il s'est passé des trucs, bah non de quoi tu parles ah bah quand même, attends, t'as été foutu en tôle chez toi, on t'a mis un mas sur le visage, t'as eu une auto-attestation pour aller pisser euh, et faire tes courses, et bah ton chien, enfin tu, tu te rends compte de ce qui s'est passé Ah non, mais ça va Eux ils sont dans le déni, quoi, déni complet. Mais ces protecteurs, ils sont pas capables de, de, de traverser l'épreuve. Donc heureusement qu'ils font ça pour eux. Hein. Sinon, ils en mourraient, quoi, probablement. Euh, et et puis vous avez ceux qui traversent l'épreuve, et là, ça vient tout bousculer dans leur vie. Donc effectivement, ça vient tout bousculer et c'est pas confortable. Mais pour autant, c'est un voyage passionnant, c'est une aventure et euh, on se sent vivant. Donc dans une vie où on a l'impression que tout est préprogrammé d'avance, que euh, on va voilà, faire son crédit, euh, acheter sa baraque, euh, sa bagnole en leasing, je sais pas quoi. Euh, si on a un peu d'argent de côté, essayer d'acheter un studio pour pouvoir ensuite moins bosser, etc. Enfin, de, le, le, le schéma est complètement standard. Euh, et ben là, vous avez d'un coup une une possibilité qui s'ouvre. moi, je pensais pas que je pourrais faire des films, euh, participer à un truc sur la monnaie, euh, faire des bouquins. Euh, et, voilà, moi, je pensais que j'étais médecin, c'est tout. quoi. Euh, et, bah non, en fait, on est tous beaucoup plus que ce qu'on pense être. et, euh, et j'ai vu des gens sortir le meilleur de, de eux-mêmes dans cette crise, ou le pire, hein, bien sûr. Et la chance nous est donnée de faire l'un ou l'autre. mais quand vous sortez le meilleur, je ne sais pas comment dire, c'est un voyage trépidant. et, effectivement, on avait fait une lettre avec mon épouse, euh, qui s'appelait gratitude et qui avait donné lieu à une petite vidéo que vous avez peut-être vue à l'époque, qui s'appelait oui, « Cadeau de déconfinement oui. », qui a été mis en scène par le réalisateur de « Après la pluie », qui est un très beau film aussi de témoignage, dans lequel il y a Akhenaton, etc. Et, oui. euh, et c était, c était pas, on ne faisait pas semblant, quoi. on ne disait pas merci pour, pour de faux. Pour nous, il y avait vraiment de la gratitude, c'est-à-dire « Ah waouh, ça fait mal, mais vous nous avez mis un sacré seau d'eau dans la gueule, ça nous a bien réveillés là ». On a bien compris qu'il fallait qu'on se bouge et qu'il fallait qu'on fasse des choses. Et, euh, et, et après, c'est le côté sentinelle du peuple. C'est un petit peu comme ça qu'on peut voir aussi ceux qui sont sortis un peu de la lumière. Moi, quand j'ai vu le professeur Raoult, j'ai dit, j'ai vu Panoramix, il nous, il nous parle de l'hydroxychloroquine, etc. Il s'est fait euh, emmerder dans le sens vraiment premier du terme euh, par euh, des grands comptes, etc. Et puis j'allais dire, moi, ce qui m'a le plus choqué durant cette période de Covid, c'est que des gens qui ont quand même 40 ans d'expérience, de, je pense à Perron, à Raoult et à d'autres, ont été considérés comme des charlatans, euh, des gens qui n'y connaissaient rien, alors qu'une star de télé réalité qui parlait du vaccin, elle est passée pour, pour un spécialiste. Et, et c'est ça, je pense, toute la supercherie de notre société, c'est que vous parliez tout à l'heure du, du bateau qui va s'écraser contre les rochers, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a eu tellement d'hypocrisie dans notre société. On est en train de tout mettre d'un coup, euh, et c'est brutal pour certains, parce que certains étaient dans leur utopie, dans leur, dans leur bulle, etc., conformistes, et ils se sont rendus compte que ben, toutes leurs croyances s'effondraient. Et cette phrase exceptionnelle que j'ai très, très souvent entendue, je crois en la science, eh oui, mais la science, malheureusement, c'est le doute, le consensus scientifique, c'est pétain. Comme disait Raoult. Et justement, au CSI, vous avez cette vertu, c'est de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Et justement, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que même nous, on a des points de désaccord et c'est tout à fait naturel. On ne peut pas être 100% d'accord sur tout. Et heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait. Mais euh, on débat, on échange. Et, euh, et c'est ça qui, qui est bien. C'est ça qui nous a cruellement manqué pendant trois ans euh, et même avant. Mais c'est vrai que 2020 était un petit peu le, à la fois la transition, la rupture et une forme de brutalité, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous disait devait être pris pour une source de vérité absolue. Et on s'est aperçu, et c'est là que le karma commence à agir, c'est que euh, tous ceux qui se détiennent comme décodeurs de vérité, euh, gourous du ministère de la vérité, bah, quand on s'est rendu compte comment ils étaient financés, comment ils fonctionnaient, eh bien, on s'est rendu compte que c'était des imposteurs. Euh, et donc de ce fait, euh, voilà pourquoi les, les médias alternatifs prennent de plus en plus de place. Et je pense que personnellement, que l'avenir euh, montrera qu'ils euh, bah, peuvent supplanter les médias mainstream malgré les subventions, malgré l'audience. Parce que la télé, je pense qu'elle est en train de, de perdre de plus en plus de terrain. Il y a de plus en plus de gens, euh, je me suis rendu compte, qui dans leur, dans leur foyer, la télé servait plutôt de meubles décoratifs, mais plus d'hypnose. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai que quand on passe deux heures devant BFM TV, on a envie de se flinguer. Hein. Honnêtement, euh, c'est compliqué. Euh, voilà, mais, mais voilà, mais euh, finalement, je vous ai découvert, entre guillemets, sans avoir la télé, via euh, les réseaux, via euh, votre interview sur CNews. Mais euh, moi j'ai une question à vous poser, alors, même si c'est de l'ordre de la fiction politique et que je sais que vous ne voulez pas vous engager en politique, mais je l'ai déjà posé à d'autres invités, donc je vous la pose aussi. Si demain on vous mettez ministre de la santé, quelles seraient vos premières mesures pour euh, le monde de, de la santé alors, je ne veux pas être ministre de la santé effectivement, et, euh, et euh, donc je, je refuserais probablement le, le poste. Euh, mais si je pouvais donner peut-être un avis ou un conseil à quelqu'un qui serait à ce poste-là, ce serait de s'entourer de gens, euh, de gens bien, euh, de commencer par pas essayer de ne pas diriger les choses et Aujourd'hui, euh, je pense que c'est vraiment un, une mission terrible que d'être mis au poste de, de, de ministre de la Santé, parce que vous êtes dans des conditions systémiques qui font que même si vous changez un homme là-dedans, vous ne changerez rien. Et donc ça, c'est un peu, pour moi, le, un peu le désabusement, si vous voulez, de la question politicienne. C'est que, en gros, je crois pas au fait qu'on élise quelqu'un d'autre, tout change. Je pense que les conditions systémiques font que, bah, aujourd'hui, on a Macron, mais demain, euh, on aura une autre marionnette. Avant, on avait Flamby, avant on avait, Sarkozy, avant, on avait Sarkozy, etc. En gros, c'est les mêmes. Hein. Euh, Macron est juste plus brutal, plus violent, plus agressif, euh, mais il poursuit la même œuvre de destruction euh, systémique euh, et systématique. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pas un cadeau, et, et à tel point que je pense pas que c'est à cet endroit-là que ça se joue. Aujourd'hui, il vaut mieux faire une entreprise qui fait du soin, il vaut mieux essayer de créer des conditions euh, là j'ai j'ai hier je discuté avec quelqu'un qui crée euh, qui fait des cabinets pour les médecins dans les déserts médicaux pour euh, où euh, il gère tout l'administratif aux médecins. Euh, C'est même pas intéressé à leurs revenus si vous voulez, c'est un fixe tous les mois, voilà. Ils ont une sorte d'abonnement euh, qui permet aux médecins de se consacrer à ce qu'est leur métier, le soigner, et puis d'arrêter de s'emmerder avec tous les trucs euh, qui leur prennent la tête de, de, sur le côté. Et puis c'est vrai pour tous les gens, hein, pas que les médecins. Hein. Aujourd'hui, on vous ouais. fait faire dans tous nos métiers. Euh, dès danger. que vous essayez de faire quelque chose, vous, a, vous, vous perdez un temps de malade avec tout le reste, quoi. Et, euh, et donc, lui, il le fait. Et, euh, et finalement, c'est une façon de lutter contre euh, le. Le, le tout numérique, l'application que vous aurez sur votre téléphone portable, euh, qui avec chat, G, Medic, chat GPT qui va vous faire le médecin à la place du médecin et vous sortir une ordonnance Pfizer toute prête euh, pour vous quoi, et vous serez livré par drone depuis le hub Amazon euh, à, la, à la sortie de la grosse ville qui vous amènera par drone vos médicaments quoi. Là, vous allez dire ah, super Mazeltov, quel, quel, quel monde merveilleux. Non non, au contraire là l'idée c'est de remettre des généralistes et des, des soignants de, de première main. Et euh, donc je crois que c'est plutôt à cet endroit-là que ça se joue. Et j'ai espoir qu'une fois que notre société est prête et a transformé plein de choses en profondeur, il y ait des ministres intègres qui apparaissent. L'idéal ce serait qu'il y ait les deux, que ça se réponde. Euh, mais moi, ma mission de vie, pour le moment, en tout cas, j'ai reçu aucun aucun signe pour dire que je devais faire de la politique politicienne. Et donc, euh, Alors, voilà. si, si je posais la question autrement, ok. Je me doutais que vous alliez me répondre ça, mais euh, est-ce qu'il y a une, une personne dans la résistance ou même ailleurs euh, que vous verrez bien dans, un, dire dans une, un système politique plus sain, plus éthique en quelque sorte, mais qui pourrait faire l'affaire au poste de ministre de la Santé en réorganisant le système de santé actuel ah bah, euh, euh, Moi je pense que Christian Perron, il aimerait bien ça, et euh, <laughs> il serait très bien content bien de le fait. faire. Et euh, voilà, après. Euh, encore une fois, je pense qu'il faut changer les conditions systémiques, hein, et, ouais. et actuellement, il y a, et là, pour le coup, euh, je suis au clair sur cette question politicienne, mais pour moi, on a un problème avec l'Union Européenne. Euh, ouais. et ce problème avec l'Union Européenne, si on ne le résout pas, euh, je pense qu'il y, y a un cadenas à cet endroit-là, il y a un verrou euh, qui doit qu'on doit, qu doit faire sauter. Alors, il y a plein de façons de le faire sauter, hein. vous pouvez faire comme Victor Orban, vous pouvez faire comme euh, je ne sais pas qui, ou euh, décider que vous, comme Assolino le propose, ou d'autres, ou je ne sais pas qui. Mais il y a un moment, faut faut sortir de cette merde, quoi, d'une manière ou d'une autre. de <laughs> manière Bolotariste. Et, et moi, le, là où j'ai été très déçu par, par en gros, le, la France insoumise et Mélenchon, parce que ils n'ont pas été clairs sur cette question-là. Euh, et voilà. mais donc moi, j'ai pas d'avis. Je, je pense que les, les partis politiques aujourd'hui sont des, des usines à diviser <laughs> et en gros n'ont plus aucun sens. Euh, une partie de la gauche aujourd'hui ne fait cantonner le refrain démocrate wokiste et en gros a perdu toutes les valeurs de gauche auxquelles je pouvais être attaché. Euh, une partie de la droite euh, suit En Marche et, euh, et en gros est macroniste, et a perdu toutes les valeurs libérales auxquelles je pouvais être accroché. Euh, bon, moi là-dedans, je suis perdu, et il n'y a rien qui me représente, euh, et, et non plus dans les extrêmes. Donc, euh, euh, je pense pas que ça passe à cet endroit-là. Et, et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu un grand, avec les gilets jaunes, mais aussi avec le Covid, une sorte de... Beaucoup d'énergie mise à essayer de renouveler la question politicienne et que pour le moment c'est un échec. C'est-à-dire que euh, les gens commencent par la question politicienne. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez prétendre à, à, à avoir un mandat, bah, vous devez avoir euh, un financeur, vous devez avoir des médias, euh, vous devez avoir des gens qui sont prêts à vous faire la propagande, etc. Vous devez avoir des appuis dans les cercles de pouvoir euh, qui sont les think tanks, les coteries X ou Y. Euh, que ce soit voilà euh, voilà de, de, de la république des copains quoi et euh, oui, et fait. si vous n'avez pas ça vous n'arriverez pas au pouvoir de toute manière vous serez juste le dindon de la farce vous serez le bout en train vous serez euh, voilà vous serez interviewé pour rigoler quoi pour euh, et vous serez censuré dès que vous direz quelque chose d'intéressant euh, et puis vous serez traîné dans la boue dès qu'il faudra vous traîner dans la boue et donc aujourd'hui vous pouvez pas conquérir le pouvoir sans avoir fait ça donc là pour ceux qui voudraient prendre le pouvoir je pense que euh, l'autre version c'est l'insurrection hein mais je pense que les gens qui aujourd'hui tiennent un discours sur l'insurrection, euh, comme Juan Branco ou d'autres, euh, ne sont, sont pas crédibles. Ça, ils ne veulent pas y aller, eux. Ils veulent bien que d'autres y aillent à leur place. Et moi, je ne pense pas qu'une insurrection soit la bonne façon de transformer un système. Je ne crois pas que ça le transforme en profondeur. Je crois que vous mettez juste d'autres tyrans en place qui vont ressortir les marrons du feu. En tout cas, c'est l'expérience historique euh, des différents mouvements révolutionnaires, que ce pensez, soit la révolution de 1917. Vous pensez qu'une démocratie à l'athénienne, ça pourrait fonctionner un jour comme le Non, je pense en bonne partie parce que la démocratie athénienne résidait sur le fait d'avoir des esclaves euh, donc qui eux voilà. n'étaient pas citoyens que le, la, le, 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 la granulométrie le volume on va dire Institutionnel était, était pas du tout le même. Par contre, il y a des idées de la démocratie athénienne qui sont très intéressantes, que ce soit l'iségoria, l'égalité de temps de parole sur le, sur le forum, que ce soit le tirage au sort pour les magistratures, les archaïs, on tire au sort quelqu'un et puis il a une, un seul mandat, il ne peut pas le renouveler. Euh, il a été tiré au sort et il est responsable. Que ce soit l'impératif le, le, de cohérence par rapport au système législatif antérieur, c'est-à-dire quand vous proposez une loi, il faut qu'elle soit en cohérence avec ce qu'il y a avant. Si jamais elle est en contradiction directe, et ben vous êtes passible de quelque chose. Donc, on vous dit tout le monde doit être masqué, mais qu'on a fait une loi sur euh, le, le, la visibilité du visage dans l'espace public dix euh, euh, ans avant. Là, vous êtes en contradiction directe et donc vous êtes passible de, de, de condamnation euh, à Rome, euh, à Athènes. Bon, voilà, donc ce nom, moi je ne suis pas nostalgique d'Athènes, je pense c'est encore autre chose. Je ne sais pas non, comment mais ça s'appelle. Euh... Il y a une nostalgie du village euh, oui. profondément dans notre société aujourd'hui. Et donc, si. Allons vers la question du village. Et aujourd'hui, un maire tout seul, euh, c'est très dur pour lui. Il ne peut pas y arriver. Il y a tellement de contraintes administratives, etc. Aussi, ouais. Et donc, les maires doivent être... D'une part, vous devez prendre le pouvoir dans votre mairie, et donc euh, vous installer dans des territoires où vous pouvez prendre le pouvoir dans la mairie. Et ensuite, une fois que vous l'avez pris, c'est comment on fait pour s'entraider, pour aider le maire qui est là. Euh, et, et à servir le bien commun et pas juste à satisfaire aux ordonnances de l'union européenne il va falloir couper la forêt comme ça il va falloir euh, boucher les sources pour euh, mettre une station d'épuration comme si il va falloir mettre une grosse euh, citerne Veolia parce que Veolia a réussi à vous forcer à avoir euh, une, une méga bassine ben bref voilà il y a toutes ces questions là et pour moi c'est à l'échelle de la politique locale que ça se joue et j'ai déjà des exemples que dans certaines politiques locales quand le maire est volontariste ça se passe et qu'il est accompagné d'une équipe qui le soutient. Ça se passe. Et ils font des choses magnifiques. Je euh, voilà, bah, je vous citerai pas d'exemple, parce que j'ai pas envie de mettre dans le rouge telle ou telle mairie, mais, mais j'ai euh... eu, eu, vent que, enfin, j'ai, constaté même que dans certains villages, certaines mairies, quand le maire a dit non, on va pas faire chier les gens avec l'histoire du vaccin, on va pas les emmerder avec l'histoire du confinement et l'histoire du masque, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de masque. Ça, voiture, oui, a et, 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 ouais. et ça s'est passé, ça s'est passé, quoi. Quoi qu'en dise euh, le pouvoir central. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Alors justement, pour ce, que, pour ce que vous disiez sur le, le côté esclave de la démocratie athénienne, une petite nuance, parce qu'il faut rappeler que Macron a considéré que les, les non-vaccinés étaient des gens irresponsables et qu'un irresponsable n'était pas un citoyen quand il voulait emmerder les non-vaccinés. Donc finalement, on est un peu pour lui des esclaves et des sous-citoyens même, parce que c'est ça aussi qui a été mis en avant dans la tyrannie sanitaire, c'est qu'il y a les, les bons citoyens, comme dans le crédit social, ceux qui acceptent de se faire injecter, masquer, tester, pucer, etc. Et puis les autres qui euh, bah vont rester euh, euh, en dessous et qui n'auront pas le droit d'aller au resto, euh, d'aller travailler, parce que c'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire que déjà que le travail, étymologiquement, tripalium, c'est la torture euh, suivant les métiers que l'on fait. Mais en plus de ça, euh, moi, je, ce qui m'avait sidéré à l'époque, euh, quand il y avait le pass, c'est que je, je disais à des gens, mais je disais finalement, on est en train de se battre pour aller travailler, euh, pour, pour finalement. Euh, aussi, si on regarde sur un autre plan le, le, le phénomène du travail, c'est finalement, on, on, on se bat pour être asservi au système. Après, on a la chance, peut-être, vous et moi, de, de faire finalement euh, un, un travail qui, euh, qui nous plaît. Voilà. Après, c'est vrai que quand vous parlez des partis politiques, moi, ce que j'ai constaté, c'est que euh, la gauche, sans, sans prendre de parti, mais que la gauche avait été plus, euh, euh, plus tyrannique sur le plan sanitaire que... Euh, la droite, voire l'extrême droite. Après, ils sont pas tous parfaits, bien sûr. Mais j'ai remarqué que finalement, euh, quand il s'agissait de l'obligation vaccinale, d'ailleurs, Mélenchon l'a dit hein, euh, à, une, à une dame dans une émission, il a dit « S'il avait fallu euh, la vaccination obligatoire, je, vous aurais, je serais allé vous chercher pour la vaccination. » Donc, c'est ça qui a fait que ça a posé beaucoup de problèmes. Voilà. Ouais, en non, tout cas, encore une, fois, encore une fois, moi, je ferai la, la grande différence entre les, les, les systèmes institutionnels et les gens. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque parti, c'est vrai euh, pour le FN, comme pour le RN, comme pour euh, la République en, en marche, comme pour euh, le, le, pour le, s'appelle la Nupes maintenant Il euh, y, y a des gens exceptionnels et il euh, y a d'autres gens qui sont euh, vraiment pas à la hauteur quoi. Et euh, donc vous avez euh, Michel Rivasi euh, euh, dans oui. Europe écologie les verts, euh, le parti lui-même, il est extrêmement nauséabond, ses cadres sont très nauséabonds, euh comme Bendit, euh, on est tous au courant de ce qu'il a pu déclarer publiquement ça. donc on se dit bon, ça ça colle pas quoi, Jado, pareil, machin. Mais mais c'est pas de l'écologie, enfin c'est voilà. Euh, et et c'est pareil, mais elle fait elle a fait beaucoup pour pour qu'on puisse <coughs> euh, connaître la vérité sur les différents contrat qui avait été fait euh, par les firmes vaccinales avec, avec l'Union européenne et avec la Commission européenne. Euh, Virginie Joron fait un travail absolument incroyable euh, à, en tant que parlementaire européen. Et moi, fait. je suis extrêmement admiratif et pourtant, ce n'est pas oui. ma tasse de thé, le RN. Hein. Et, euh, et, et, mais de l'autre côté, vous aurez euh, Jordan Bardella qui va avoir des propos extrêmement bellicistes euh, sur la question de la guerre en Ukraine, etc. Euh, donc, c'est difficile de dire c'est tel ou tel parti. Oui. Moi, j'ai vu des gens dans En Marche, des gens chez les communistes euh, qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait et donc au fond c'est ça la question de la crise elle vient questionner nos appartenances elle vient nous dire est ce que c'est plus important d'appartenir à une famille politique à une école à l'hôpital à tel ou tel truc ou de toi vivre ta liberté et ta cohérence et, et la, la réponse elle n'est pas facile hein, parce que le, le plus dur pour l'humain c'est de se retrouver seul et au fond, nous sommes des êtres sociaux. La pire des peines, à, dans l'Athènes du quatrième siècle, mais c'est vrai aussi dans toutes les tribus, euh, euh, primitives, c'est pas la mort. C'est, c'est le, d'être mis au banc, c'est l'ostracisme. C'est quand tout le monde fait comme si vous existiez pas. C'est en gros ce qui est arrivé au suspendu. Donc, j'ai fait partie, donc je peux vous le dire. C'est, c'est extrêmement douloureux. C'est, c'est, vous dites, bon, à quoi je serre alors? Et ça aussi, ça veut nous questionner sur la question du travail, c'est, on travaille pas pour gagner son, sa croûte et, et survivre. C'est pas vrai. On travaille pour participer à plus grand, parce qu'au fond on est fait pour ça. C'est notre notre petite étincelle, à, à... et on a tous une petite étincelle. Ça peut être pour passer le balai, pour discuter avec la secrétaire, pour faire le café pour les autres, pour euh, pondre un super article scientifique. Peu importe en fait, tout ça euh, est au fond aussi important. Euh, et voir les choses de base, elles sont plus importantes à un hein. bouffer que ce soit propre, etc. Plus <laughs> important que d'aller faire des grands trucs avec euh, soi-disant un très gros cerveau. Et, euh, et donc. Le fond de notre réalisation en tant qu'humain, c'est qu'on a envie de participer à plus grand, à la, à la famille dont on fait partie, au cercle d'amis dont on fait partie, à la société, à la ville, etc. Et il et faut trouver le bon point d'articulation entre ce jeu, cette verticalité du jeu, et l'horizontalité du nous. Et ce point d'articulation, il n'est pas facile, parce que euh, nous va être une matrice protectrice, mais potentiellement aussi, elle va m'empêcher de faire ce que je veux. Heureusement. Parce que sinon, je pourrais devenir, euh, vouloir devenir tout puissant, être une multinationale, la start-up moi-même dans le start-up nation, dans le start-up world. Et, euh, et donc, le nous, il est là pour nous prévenir normalement des pervers narcissiques. Là, on a les deux à la fois qui sont pathologiques, c'est-à-dire, je peux devenir un, un gros pervers narcissique comme Emmanuel Macron, euh, complètement fou, mégalomane, etc., paranoïaque. Et toutes nos classes dirigeantes sont en gros dans une maladie paranoïaque euh, euh, établie. Hein, C'est le travail d'Ariane Biléran qui est très intéressant sur le sujet. Et puis, nous, qui devrait nous protéger, nous protège plus, il nous contraint, il nous restreint, il nous met des barrières partout, des masses, des interdictions, euh, et pour nous empêcher de sortir tellement il a peur que nous explose. Et euh, il faut retrouver l'inverse c'est je est au service de nous qui me protège et me donne la force de faire mon action. Euh, c'est pas je tire l'énergie du nous. <laughs> pompe et suce son pognon, son, 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 son énergie, etc., pour être euh, le patron d'un parti politique, pour être je ne sais pas quoi. Et, euh, et ça, ça vient nous questionner intérieurement, euh, personnellement. Hein. Vous avez eu des résistants qui se sont mis en avant parce qu'ils avaient envie d'exister publiquement. Et ils se sont mis à tirer l'énergie des groupes pour eux exister. Mais ça, c'est pas juste. Quand vous vous mettez en avant, c'est pour donner votre énergie aux autres. Parce que vous en avez plein. Et donc, vous allez emmener les autres dans un, dans un truc chouette. Euh, euh, voilà. Et vous n'allez pas tirer l'énergie des autres pour qu'ils vous poussent, pour que vous, vous soyez un, hein, moi je, moi je, moi je. Euh, et ça, c'est très compliqué, c'est le travail sur l'ego. Parce qu'au fond, même celui qui se met en avant et qui prend l'énergie du groupe, qu'est-ce qu'il veut Il veut de l'amour. Et il veut, il veut X milliers de viewers parce qu'au fond, il a besoin d'amour. Il se trompe, il pense que c'est en ayant des, des followers, etc. Ce n'est pas vrai, il y aura pas de l'amour comme ça. Euh, l'amour, c'est intime. Euh, justement, on en revient à la question de l'intime. Et, euh, et donc, ce n'est pas, pas la question. Et donc se réconcilier avec ça et se dire, bah, même le salopard qui veut prendre tout le pouvoir, tout l'argent au fond, parce qu'il n'a pas d'amour, et même un, un gars comme Emmanuel, Emmanuel c'est probablement un pauvre type, quoi, un pauvre enfant tout seul, maltraité, et si ça se trouve l'objet de, de, de MK Ultra depuis son enfance. C'est possible. En tout cas, Louis, euh, merci infiniment. Ça fait plus de deux heures qu'on est ensemble, c'est passionnant, c'est vrai qu'on pourrait y passer des heures. Euh, comment dire, vous avez donc une actualité littéraire à venir avec le, votre livre Traverser la peur. Est-ce que vous avez d'autres projets à nous faire part <laughs> Il y a plein de choses, euh, effectivement, mais... Euh... Faut pas en faire trop si on finissait en burn out. Et donc euh, mais, euh, là, il y a effectivement, il y a eu un film qui s'appelle Tous résistants dans l'âme, comme le oui. premier livre, hein, qui était autour de la question de la permaculture, de l'habitat, de, de l'écohabitat, etc. Euh, le film il continue à passer en salle un peu partout. Et puis si vous, vous avez envie de le diffuser, euh, bientôt a, on pourra organiser des diffusions avec des collectifs. Il y a le DVD qui va sortir aussi. Il euh, y a plein d'autres films qui existent, notamment Après la pluie, euh, dans oui. lequel j'ai pu participer. Mais il y a aussi Akhenaton, Didier Super, etc. Et ça, ça à mon avis, ça peut ouvrir à d'autres publics. Euh, si vous voulez le diffuser bah, vous, vous cherchez euh, ah, l'équipe euh, et, et vous pourrez organiser la diffusion euh, par chez vous etc ça c'est chouette euh, moi je participe à plein de conférences en fait où on parle bah, de la question monétaire de la question de la permaculture, de la question de la non-violence qui, euh, qui m'est très chère aussi j'en ai, ai pas parlé directement mais de manière indirecte aussi euh, c'est pas une non-violence pour euh, parce qu'on a peur ou parce qu'on voudrait se protéger de la violence c'est ok il y ouais. a de la violence j'y vais je rentre dans le conflit mais je vais le transformer en autre chose euh, parce que de face, ça va juste nous, nous tuer tous les deux, quoi, et ça, c'est pas le but. Et euh, voilà, donc il y a ce troisième livre qui s'appelle Traverser la peur, l'odyssée du réel, aux éditions Très Daniel, qui sort genre, le 21 ou le 28 septembre, je sais plus exactement, on vient de, on vient de faire le bon à tirer euh, hier. Donc il est parti en imprimerie, euh, parce qu'après l'écriture, il y a tout un travail éditorial. J'espère ouais. <laughs> voilà. pour le 21, c'est le jour de mon anniversaire, donc ce sera un beau voilà. et, euh, et puis. Euh, Prenez place, je vous invite à regarder parce que c'est à la fois un corpus euh, intellectuel, mais le but c'est que ça prenne place, c'est-à-dire que les gens s'en emparent et qu'ils se mettent à discuter de la question monétaire dans le village. Parce que là, Covid pas Covid en fait. Quand vous allez parler du Grisby, tout le monde va se dire ouais, attends, il y a peut-être un loup là. <laughs> euh, et, et ça c'est intéressant, c'est une piste de réconciliation importante. Euh, et puis. Euh, il y a un autre projet qui me tient à cœur, euh, dans lequel euh, j'essaie de mettre de l'énergie, mais c'est plus dur, il s'appelle Une Notre Santé, qui est d'essayer de faire un réseau d'initiatives de santé intégrative un peu partout. C'est quoi la santé intégrative C'est mettre un généraliste, un pharmacien, un acupuncteur, un homéopathe, un kiné, une sage-femme, euh, une infirmière. Et c'est pas une maison de santé. L'idée, c'est pas chacun qui est juxtaposé, c'est on bosse vraiment ensemble pour que le parcours du patient, on, finir, euh, oui. on essaie de réfléchir pour ce patient-là, dans ses conditions à lui, avec ses pathologies à lui, de quoi il a vraiment besoin euh, et que chacun dise, moi ce que je sais faire, c'est lui, lui apprendre à manger. Euh, moi ce que je sais faire, lui apprendre à faire la cuisine et faire les courses. Moi ce que je sais faire, c'est le faire courir pour qu'il perde du poids. Euh, moi je peux le faire bosser sur ses émotions et puis il va être moins en colère, son, sa tension va baisser. Et comme ça, avec plein de praticiens différents en étoile autour d'un patient, on, 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 le remet au, on remet le patient au cœur. Et euh, voilà, mais c'est en donc il y a plein de groupes qui sont en train d'émerger à Lyon, euh, dans le Sud-Est, euh, du côté de Nice. Il y en a d'autres euh, un peu partout. Il y a tout un groupe qui s'appelle les Oasis Santé Libre euh, dans le 04. Euh, voilà, il y en a dans les Pyrénées aussi, et puis du côté de Toulouse. Et ça, c'est vraiment un choix de projet, et euh, j'espère que ça, ça va inspirer tous ceux qui veulent soigner pour soigner autrement que dans un système à la con on est les esclaves de, de Pfizer. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci infiniment, Louis, d'avoir été là ce soir. Euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez plus de 200 à réagir. Donc, euh, merci infiniment. On reste en contact, Louis, parce que j'en profite aussi pour, pour vous, vous le dire. Parce qu'on parlait de médias tout à l'heure. Et c'est vrai que pour 2024, j'ai l'ambition de créer un, un média indépendant. Alors, on va dire un de plus. Mais euh, finalement, le but de toutes ces émissions, c'est de mettre en synergie des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont tous un intérêt commun. Donc, c'est une autre manière aussi de le faire. Et puis, comme depuis 2020, les, les visioconférences se sont beaucoup développées, etc. Et donc, vous faites partie de ceux qui, pour 2024, seraient peut-être sollicités pour des soirées euh, thématiques. On pourrait parler de santé avec plusieurs intervenants, ce que vous faites déjà un petit peu au CSI. Et, euh, et voilà, en tout cas, je vous remercie à titre personnel pour tout ce que vous avez apporté durant cette période Covid où beaucoup d'entre nous étions un peu désarmés. Et, euh, et c'est pour ça que bah, ce soir, c'est un petit peu aussi une, une récompense pour moi, parce que vous êtes quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur le plan humain, en tout cas, euh, et donc euh, qui bah, nous avait permis de, de mieux comprendre les choses et puis de mieux relativiser aussi certaines situations, puisqu'on est tous dans l'émotionnel, et donc c'est toujours difficile parfois de réagir de manière cohérente et, et rationnelle, en quelque sorte. Moi, je suis quelqu'un qui a un peu râleur et gueulard sur les bords, donc je suis un peu révolté, on va dire. Mais de toute manière, voilà, cette émission a été l'occasion aussi de, de parler de tous les sujets. Donc, euh, encore une fois, merci pour cela. Et euh, bah, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je remercie tous ceux qui ont été là ce soir. Et je vous laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. Euh, pour moi, c'est un honneur hein, de pouvoir être là et puis que qu'on <laughs> que, que on fasse un, ensemble un, un panorama de tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on c'est pas fini, euh, c'est loin d'être fini. À la fois euh, ce qui est en cours, mais aussi euh, le devoir de mémoire et euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire de mémoire justement parce que déjà là sur les trois dernières années on se rend compte qu'on a un peu oublié quoi s'est passé quand c'est devient flou tellement il s'est passé de choses et je crois qu'il faut marquer montrer ce qui se passe un projet rigolo ça pourrait être d'ouvrir un musée. Euh, du Covid, euh, là il y a, je vous assure qu'il y a plein d'animations à faire. Hein. Et vous, vous feriez vous un tortueux. tabac là. là le, le, le musée il est, il est rempli non-stop. Hein, entre euh, <laughs> sur tout ce que vous pourriez mettre. Enfin vous pouvez imaginer plein plein de choses. À la fois rigolotes, l'aventure à vivre, des lunettes de réalité virtuelle. Je sais quoi, mais <laughs> il y a plein plein de choses à faire. Et euh, et peut-être c'est ça que je voudrais laisser, c'est que je crois vraiment qu'une grande partie de la résistance c'est d'essayer de tenir, de tenir bon. Parce qu'à la fin le totalitarisme finit toujours par s'effondrer. Ça peut durer longtemps, hein. des fois ça dure 80 ans euh, dans la Russie soviétique, etc. Euh, mais 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 ça finit toujours par s'effondrer quoi. Et pendant ce temps, il y a des brèches partout pour vivre quelque chose de chouette. Et donc là, euh, voilà, je, dans l'actualité, il y a quelque chose que, qui me tient à cœur, mais qui s'appelle Escape Game sur YouTube. Euh, quelque chose auquel j'ai participé dans un monde numérique. Euh, donc il y a un avatar de moi avec une un scan 3D pour montrer euh, que et c'est dans un jeu vidéo ultra violent qui s'appelle GTA. Euh, okay. et on prend des scènes de GTA et où on essaie de trouver de la paix, de la philosophie, de la beauté, à l'intérieur même d'un algorithme qui voudrait toujours mettre de la violence. Et, et justement, le personnage, il se pose la question, mais comment je fais pour m'enfuir de ça Et il se rend compte qu'il ne peut pas s'enfuir. Et euh, qu'il est comme bloqué, quoi. À un moment, il essaie de s'enfuir dans sa tête, il finit bloqué en haut de la tour Eiffel. Puis après, l'univers s'effondre de partout, etc. Il y a plusieurs épisodes. Le troisième va sortir bientôt. Euh, C'est voilà, une œuvre artistique oui, qu est j en j en qui est faite par des amis qui sont des super artistes, à mon sens, euh, et qui montre un peu tout ce qu'on est en train de vivre. C'est comment, à l'intérieur d'un truc qui se restreint de partout, créer des brèches de liberté. Je reviens encore une fois sur cette question de l'intime. Euh, Créer du secret, éteignez votre téléphone portable, laissez-le loin de vous, arrêtez de le, de, de le laisser écouter votre vie, euh, réussissez à vous en défaire. Peut-être c'est un, une première voie euh, sanitaire de guérison. Et puis euh, la deuxième, c'est de réinvestir le banal. Qu'est-ce que je veux dire par banal C'est que le four banal, le moulin banal, au Moyen-Âge, c'est quoi C'est le four, le moulin qui sont en partage et en commun dans le village, et dont tout le monde prend soin. Et on va gérer en même temps quand est-ce qu'on fait les fournées, quand est-ce qu'on on met la meule en route, etc. Aujourd'hui, le banal, il est désinvesti, c'est-à-dire la vie dans notre village, dans notre avec nos voisins, avec les gens autour, avec notre famille. On, on est plus sur les réseaux sociaux, plus dans le monde numérique qu'avec les vrais gens. Et si on revenait à du banal et qu'on mettait notre énergie à, à créer les conditions de, de rencontre, je peux vous assurer que les gens, ils ont un craving, c'est une attente, un besoin de lien. Euh, ils ont tellement besoin de liens que euh, dès que vous leur offrirez une possibilité de vous réconcilier ils vous diront, ah chouette, ils s'agripperont ils dessus ils diront, ah, chouette, chouette, ouais, c'est juste inviter les voisins à manger avec d'autres, et rien que ça et réussir hein, à ne pas aborder les sujets qui fâchent ou les aborder en rigolant la, après la deuxième bouteille voilà. bah, écoutez, merci beaucoup Louis, ça a été un immense plaisir de vous recevoir depuis le temps que je voulais euh, vous inviter pour l'émission, donc j'espère que les auditeurs seront contents parce que vous étiez très demandé. donc euh, c'est chose faite en ce 1er septembre. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres émissions ensemble, de pouvoir même se rencontrer en vrai, parce que même si euh, je ne suis pas. Euh, je suis plutôt à l'opposé de vous dans le sud-ouest, mais si j'ai l'occasion de venir sur Marseille ou les environs, ce sera avec plaisir, parce qu'on a pas mal de points en commun. Et puis euh, l'histoire euh, me passionne, la philosophie également, la, les livres. Donc ce sera avec un vrai plaisir. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et de toute façon, j'ai mis les liens de. De votre, de, de votre page Twitter, notamment en, en lien de la description. Votre CV également, comme ça les auditeurs pourront euh, contempler euh, votre cursus que vous avez très bien euh, expliqué durant l'interview. Je vous souhaite une bonne soirée. Euh, merci à tous les auditeurs qui étaient là ce soir. Je vous donne demain soir rendez-vous à 18h avec Didier Maisto euh, pour une émission également. Et euh, bonne continuation à tous et merci Louis. Merci à vous.